Anthony Di Marie-Ange, Ambrogio Jean-Michel, Maggie Edith, l'Anglais Marinette, Léon Patrick, Pouvoir, Madame Lanza, Bertrand Michel, Salou Abder, Delahaye Stéphane, Pilar Elisabeth, Galant Portier Marie-Béatrice, Pouvoir à Henri Gana, Pronesti Dominique, Pouvoir à Philippe Aiello, Mercurio Federic, Pouvoir à Didier Daniel, oui. Rofani Brigitte, Pouvoir à Madame Moitry, Girogui, Ricardi Evelyne, Chalvin Eric, Chinka Gisèle, Pouvoir à Monsieur Chalvin, Crépin Robert, Mirandon Gilbert, Pouvoir à Monsieur Crépin, Crépin Charline, Pouvoir à Madame Bonuccelli, Pesse Jean-Loup, Falcou Jean-Noël, présent. Lanza Catherine, très bien. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, avant de commencer, nous allons faire une minute de silence dans un premier temps pour le président Jacques Chirac. Je vous invite à une minute de silence pour ce président qui était un grand Français humaniste, très attaché à notre territoire. Merci. Je vous invite aussi à une minute de silence pour les 4 fonctionnaires qui viennent d'être tués, fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Merci. Je vous invite à désigner comme secrétaire de séance Madame Karine Bonuccelli. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer à l'ordre du jour. Point 1, procès verbal du Conseil municipal du 4 juillet 2019. Avez-vous des questions? Pas de questions, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Oui, question. Oui, mais la question que je souhaite poser aujourd'hui, en fait, je la réitère, je l'ai déjà posée au Conseil municipal du 4 juillet dernier, concernant 5 décisions municipales pour lesquelles vous m'aviez dit que je recevrais dans les jours qui suivraient une réponse par mail. Je suis en attente de la réponse. Merci. Ça s'est transmis à l'administration, puisqu'ils sont présents. En ce qui me concerne, je voulais faire une précision en ce qui concerne la décision 0254, c'est le pourvoi en cassation. Alors, ce pourvoi est fait dans la mesure où nous tentons de faire établir une jurisprudence indiquant qu'un Facebook d'une collectivité publique ne peut pas être ouvert au public et particulièrement à des candidats politiques, dans la mesure où nous avons calculé que pour surveiller un Facebook ouvert H24, il nous faudrait 4 agents en permanence,
pour éviter la diffamation, les propos sexistes et j'en passe, qui sont des délits. Quatre agents, ça veut dire 120 000 euros à l'année de coût pour la collectivité. Donc il est bien évident qu'une collectivité ne peut pas se le permettre et c'est pour ça que nous continuons sur cette procédure. Je vous remercie. Madame Saluki, s'il vous plaît, sur cette décision. Depuis le début du mandat, vous refusez de respecter le droit d'information des habitants que la loi protège justement en instaurant un droit d'expression des élus, notamment sur Internet. Toutes les villes appliquent ce principe démocratique de base sans que cela ne pose problème, sauf vous. En mars 2015, vous perdez un référé. En novembre 2016, vous perdez le recours que vous n'appliquez pas. En septembre 2018, du coup, il y a une nouvelle décision du tribunal, un recours à exécution avec une astreinte que vous n'appliquez pas. Vous faites appel. Cet appel, vous venez de le perdre une fois de plus et vous ne voulez pas appliquer les décisions, d'où le pourvoi en cassation qui est étudié aujourd'hui. 120 000 euros, monsieur. Si vous êtes prêt à assumer personnellement ce coût, on vous ouvre le Facebook. C'est clair. Merci. Toutes les villes font ça, il n'y a aucun problème. L'ouverture de Facebook ne veut pas dire l'ouverture libre et totale. Quand vous publiez un magazine, madame Saluki, on va y aller chacun notre tour si vous voulez bien. On ne peut pas limiter le droit de s'exprimer. Bien sûr que si. On peut l'encadrer, pas le limiter justement. L'encadrer, c'est 4 agents, H24, 120 000 euros pour la collectivité. Je vais essayer de faire 3 phrases d'affilée si vous voulez bien qu'on comprenne le propos. Il y a un droit d'expression, par exemple, dans le magazine municipal. Ça ne veut pas dire que les conseillers municipaux ont le droit de rédiger le magazine municipal. C'est-à-dire que le règlement intérieur encadre ce droit d'expression et ils ont une partie pour s'exprimer. Facebook, c'est la même chose. Internet, c'est la même chose. Il y a un droit d'expression qui est alloué de droit aux conseillers municipaux. Ensuite, au règlement intérieur, d'encadrer ce droit. La proposition que je vous ai faite en ce sens ne voulait absolument pas dire ouverture libre et totale. Quoi qu'il en soit, moi je trouve absolument frappant et dangereux qu'il y ait 4 décisions de justice, 4, qui disent toute la même chose et de manière de plus en plus forte, et que vous refusez d'appliquer cette loi depuis 6 ans maintenant, et qu'on dépense de l'argent public pour ça. C'est-à-dire qu'en appel, vous avez dépensé, vous avez payé un avocat. La cassation, ça coûte extrêmement cher. Même chose, tout ça pour vos conforts personnels et pas du tout pour l'intérêt général. On dépense de l'argent pour un caprice qui vous est propre. Vous exprimez sur Facebook. Un Facebook public ne peut pas se fermer au poste des administrés. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver et poser des propos diffamatoires. La personne qui est responsable, en l'occurrence le maire, est responsable de tous les propos diffamatoires ou autres qui pourraient être mis sur Facebook. Je sais que ça vous arrange, ça vous amuserait bien. Vous êtes générateur de dépenses publiques, monsieur Fabien. Je le répète, il faudra embaucher 4 agents H24, 120 000 euros assumés par les charges de personnel que vous critiquez à longueur d'avis. Donc nous allons continuer. Pardon, je voulais juste souligner qu'il y a une dizaine de mois. C'est bon, moi j'ai une voix qui porte. Une dizaine de mois, j'avais transmis au service un article à mettre dans le mag et malheureusement il n'a jamais apparu. Donc voilà, je voulais quand même le transmettre. Il y a une dizaine de mois. Je peux même vous le retrouver. Madame le maire, c'est la même chose pour moi. Vous le savez, je vous ai écrit 2 fois. Une première fois, vous ne m'avez pas répondu. Et vous m'avez répondu en conseil municipal que ce n'était pas la peine de me donner ce droit puisque j'appartenais au groupe de M. Falcou. Or, je vous signale, parce que vous ne l'avez pas encore compris, que je suis libre et indépendant. Ici, je m'exprime en mon nom propre, même si je soutiens certaines actions de M. Falcou. Nous n'avons pas fait de groupe. Donc, j'ai réitéré cette demande une deuxième fois. C'était le 27 ou le 28 juin, à 8h du matin. Votre secrétariat a bien reçu mon courriel, puisqu'il m'a répondu que ça vous avait été transmis. Et je n'ai toujours pas ce droit à l'expression. Là, ce n'est pas un caprice, c'est simplement le droit de s'exprimer. Et j'aimerais que la liberté d'expression soit non seulement autorisée, permise et appliquée dans cette assemblée. C'est tout ce qu'on vous demande, Madame le maire. De la justice, pas plus que ça. Et pas de propos qui vont être diffamatoires du tout. Ce n'est pas mon intention. Pas notre intention, parce que je pense que pour Cathy, c'est pareil. Seuls les groupes qui ont été actés en début de mandat peuvent s'exprimer dans le MAG. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux groupes. Il y a des gens qui ont démissionné. C'est leur droit, on le respecte. Pour autant, ils ne constituent pas un groupe. Mais à partir du moment où on n'est plus dans la majorité, on existe bien dans cette assemblée. Lorsque je vote en mon nom propre. Oui, pardon.
comme M. Fallu, comme M. Pest, même s'ils sont une personne. Donc je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas donner cette liberté qui ne coûte rien. Donc nous allons poursuivre point 3. Donc, pas de réponse. Pas de réponse de votre part. Pas de réponse. Alors il faut aller encore au tribunal, faire un référé et bloquer le magazine. C'est ça que vous voulez, Madame le maire? Ce qui s'est passé précédemment? Vous voulez qu'on continue là-dedans? Pour le tribunal? Ordre du jour numéro 3, si vous voulez bien. En préambule du conseil municipal, je voudrais revenir sur un fait et je souhaiterais remettre un chèque à la municipalité de Valoris-Golfe-Jean, en tout cas à la ville de Valoris-Golfe-Jean. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai été insulté violemment sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas la personne qui a été insultée, c'est l'élu. Certains l'ont compris, d'autres l'ont peut-être moins compris, et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide municipale dans ce dossier, la protection fonctionnelle, parce que je voulais bien faire ressortir que c'était l'élu qui avait été insulté et diffamé, et non pas le simple citoyen. Suite à ça, donc, il y a eu un procès, et suite à ça, M. Azaïs, Christian de son prénom, a été condamné lourdement à 3 000 € d'amende, au remboursement des frais d'avocat, aux frais de justice, et au 1 € de dommages et intérêts que j'avais réclamé. Il m'a envoyé, il y a quelques semaines, ce chèque de 1 € que je vais encaisser. Mais évidemment, je ne souhaite pas garder d'argent de ce monsieur. Donc, je vous demanderai, Madame le maire, avec le conseil municipal, d'accepter ce chèque de 1 € et, s'il vous plaît, de pouvoir le verser au CCAS, à l'action sociale de la ville. Donc, compte tenu de ce don en direct, je vais vous demander de délibérer pour accepter ce don de 1 € de monsieur Pess. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, monsieur Pess, de ce don extrêmement généreux et qui a force de symbole. Alors, en ce qui me concerne, puisque vous en parlez, puisque j'ai été outragée aussi par une administrée, j'ai également gagné. Alors, moi, je n'avais demandé qu'un euro de dommages et qu'un euro d'indemnité. Donc, je suis ravie de vous informer que j'ai gagné. J'ai gagné. La personne a été reconnue coupable d'outrage en ma personne en tant qu'élue. Et aussi en tant que femme, je le prends comme tel parce que l'insulte était particulièrement virulente en ce qui concerne les femmes. Voilà. Aussi, les agents de police qui avaient été insultés ont gagné, ils avaient demandé une autre indemnité. Et là, deux personnes de la même famille ont été condamnées à des dommages assez lourds. J'espère que ce sera réglé. Alors, il faut que vous sachiez, lorsque les coupables ne règlent pas, les agents de la fonction publique, c'est la ville qui se substitue. Et la ville s'est déjà substituée en ce qui concerne des agents de la police insultés. C'est devenu quelque chose de très courant d'insulter les élus, d'insulter les forces de police. Donc je trouve ça dommageable. C'est pour ça qu'en partenariat avec ces agents, puisque nous avons été insultés en même temps, qu'ils étaient témoins de ce qui m'est arrivé, je pense qu'il faut poser quand même un minimum de cadre, de respect entre les élus, les administrés, entre eux. Parce qu'entre-temps, beaucoup de personnes sont venues me voir, m'indiquant, me racontant toutes les insultes que s'ils avaient pu subir des mêmes personnes. Donc je trouve que c'est grave, c'est une méthode qui se généralise, qui devient habituelle pour faire de la politique. Je ne trouve pas ça très respectueux, et surtout pas démocratique. Et je félicite M. Pest d'avoir gagné ce procès. Merci. Donc, nous allons passer à l'assainissement cette fois. L'ordre du jour numéro 3. Donc, décision modificative numéro 2 du budget d'assainissement. Afin de préparer le transfert de la compétence assainissement à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, qui interviendra au 1er janvier 2020, il convient de régulariser certaines opérations budgétaires sur demande du trésorier municipal, et donc de prévoir des crédits supplémentaires en écriture d'ordre
au budget assainissement. Ces opérations d'ordre concernent premièrement un virement de 500 000 euros des immobilisations en cours du compte 23 aux immobilisations corporelles compte 21. Cette opération a pour but l'intégration dans l'actif d'études et de travaux antérieurs. Deuxièmement, des virements entre sections pour un solde de 299 485,89 €, tel que détaillé dans le tableau que vous avez ci-après, correspondant à des régularisations d'amortissement de biens passés entre 2004 et 2014. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget assainissement conformément au projet en annexe. Donc vous avez les deux tableaux qui suivent sur la délibération. Des questions? Pas de questions. En ce qui me concerne, je voulais faire une réponse à ce qui s'était passé lors du transfert du budget d'assainissement sur le principal. Donc plusieurs personnes, dont M. Giraud, qui s'est quand même réveillé entre-temps et qui nous a dit à la commission qu'il était ravi qu'on transfère l'excédent du budget d'assainissement, avait voté contre avec Mme Riccardi, M. Chalvin, M. Bertrand, M. Falcou, Mme Lanzin, M. Léon. Bah, donc c'est assez extraordinaire. Et je répète mon propos, M. Giraud, vous aviez dit que j'avais dit n'importe quoi, et M. Bertrand, qui est un expert en la matière, nous avait dit que notre budget allait être retoqué par le contrôle de la légalité. Il n'a évidemment pas eu lieu et le budget est passé comme une lettre à la poste. Je vous remercie. Madame le maire, je peux vous répondre puisque vous me sollicitez. Je vous sollicite. Si. J'ai dit simplement deux choses, mais il faut le répéter. La première, c'est que vous avez sauvé votre budget principal en injectant ces 2,6 millions. Parce qu'entre les recettes et les dépenses, l'autofinancement était extrêmement maigre, voire ridicule. C'était 300 000 euros, faut-il le rappeler. Donc, votre opération était celle-là. Ensuite, la deuxième chose, je vous ai parlé de la fameuse taxe sur l'assainissement qu'il aurait fallu faire sauter, à mon sens, puisque nous avions l'année dernière 4,6 millions d'excédents en clôture et que nous avons cette année 5,2 millions. Donc ça veut dire que nous avons encore 600 000 euros qui sont revenus, et ces 600 000 euros, c'est exactement ce que coûte la redevance assainissement. Et je vous avais dit que ça aurait été bien de faire un geste par rapport aux contribuables en faisant baisser la facture d'eau en enlevant cette taxe. Voilà ce que j'ai dit, alors ne déformez pas mes propos, je préfère redire ce que j'ai dit, que ce soit clair pour tout le monde. Bon, écoutez, on ne va pas refaire le débat sur l'assainissement. Bah, si vous me cherchez, vous me trouvez. Par solidarité avec les policiers, je peux terminer, monsieur Giraud, s'il vous plaît. Non, mais vous permettez aussi que je puisse répondre, m'attaquer, je vous réponds, madame. Non, vous m'attaquez, je ne vous attaque pas, je dis ce que vous avez dit en commission. J'ai dit qu'on votait. Vous avez dit exactement le contraire de monsieur Bertrand. Mais pas du tout, mais si, pas si. Du tout. Vous interprétez les propos des gens, c'est grave. Hein. Il va falloir vous soigner, madame. Non, c'est pas grave. Ah ben, c'est bien, insulte, c'est parfait. Parfait, ça continue. Alors, donc, je vais vous dire, cet excédent, c'est un excédent, oui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un excédent, ce sont des recettes qui servent aux investissements. Aujourd'hui, vous pourrez constater qu'il y a de l'assainissement de partout, qui nous coûte très très cher. Chaque fois que vous sentez une odeur, l'assainissement intervient, parce qu'il y a des problèmes de réseau qui n'ont pas été réparés, qui sont mal calibrés ou peut-être inadaptés au quartier. Donc je vous informe que lorsque le transfert définitif sera fait, d'abord ce n'est pas 5 millions qu'il y avait sur le budget, et ensuite ce n'est certainement pas 5 millions qu'on va transférer, c'est beaucoup moins, dans la mesure où nous avons fait dans tous les quartiers, surtout les copropriétés comme la Zaïne, etc., de très gros travaux d'assainissement absolument nécessaires. Et je m'étonne que pendant 12 ans, il n'ait pas été fait, monsieur Giraud. Vous avez manqué à votre devoir. Voilà, donc... Regardez les comptes administratifs antérieurs, vous verrez bien les comptes administratifs d'assainissement, il n'a jamais été... Ah ben non, parce qu'il n'y avait pas de travaux. Donc alors, tout le monde se plaignait des odeurs, dites pas, pas fait le café de la pluie, relisez, tout le monde. Reprenez les dossiers, ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas fait de travaux, monsieur Giraud. Voilà, si on les fait maintenant, on ne les invente pas, Poursuivez, je viens d'engager antérieurement. Juste une petite remarque aussi sur l'investissement.
Je vous signale, madame le maire, que vous n'allez pas pouvoir dépenser 4 millions. C'est impossible. À chaque fois qu'on a voulu faire des travaux d'assainissement, on est arrivé, et les services techniques qui sont derrière peuvent le confirmer haut la main, si on arrive à dépenser 1 million dans l'année, c'est formidable. Parce que ça ne se fait pas comme ça des travaux, surtout avec l'équipe que nous avons qui fait le maximum mais qui ne peut pas faire plus. Alors, donc, je vous invite attendez, je n'ai pas fini, laissez-moi terminer. Bien entendre ce que vous êtes en train de souligner, ce qui est en train de se dire. Et la deuxième chose aussi, par rapport à l'argent qui sera transféré à la CASA, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à la CASA, cet argent, il sera fait justement pour, lorsqu'il y aura des travaux d'assainissement à faire, aller faire sur Valoris. Voilà, c'est tout. C'est pour Valoris, cet argent, même s'il est entre les mains de la CASA, puisque c'est la compétence, c'est la loi qui est ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de travaux qui seront faits sur Valoris Golfe Jean. Ils seront engagés avec la Cour de la mairie, bien sûr, en collaboration par la CASA, c'est tout. Donc on peut arriver avec un peu d'argent, mais cet argent, il n'est pas perdu. C'est ce que vous essayez de faire croire aux gens, c'est que cet argent, on le donne à la CASA. Mais on ne le donne pas à la CASA pour rien, il est pour nous. J'espère que c'est bien enregistré. Parce que alors ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Exactement le contraire de ce qu'a dit M. Giraud, vous n'allez pas transférer l'excédent à la CASA. Parce que M. Giraud sait très bien que ça tombe dans un pot commun à 24 000. Mais pour autant, 24 000. Et alors, il y aura un budget. Et alors, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sera fait pour Valoris Golfe Jean? Je fais confiance. Je fais confiance au président de la CASA, madame le maire. Sans problème. Vous ne fatiguez pas avec le président de la CASA. Il y en a un qui m'accuse d'être proche, l'autre... Je ne me fatigue pas, je dis simplement j'ai confiance au président de la CASA. Et que les travaux d'assainissement seront faits lorsqu'il y aura la compétence qui sera transférée en 2020. Laissez parler madame le maire, s'il vous plaît, arrêtez de tout le temps la couper, merci. J'espère que vous avez bien retenu ce qui vient d'être dit. Hein. Bien retenu, ça vaut le coup. Sachant que l'assainissement ne sert qu'à l'assainissement aujourd'hui de Valoris. On est d'accord. Donc, retenez bien ce qui vient d'être dit. En décembre, on vous en dira plus. Ça vaut vraiment le détour. Je vous invite à tous venir. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Créance admise en non-valeur budget d'assainissement, Monsieur Molesti. Le service de la trésorerie municipale propose d'admettre en non-valeur des créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré infructueux, malgré les diligences réglementaires. Les créances irrécouvrables, qui théoriquement peuvent toujours faire l'objet d'un recouvrement, concernent soit des petits montants inférieurs au seuil de poursuite, soit des poursuites sans effet. Je peux continuer, s'il vous plaît ? Ah, merci. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2019 du budget assainissement. Vous avez tous les détails donc dans le tableau joint. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances mentionnées dans le tableau à l'annexe pour la somme de 21 597,97 €. Des questions particulières? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dissolution du syndicat intercommunal de l'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents. Siak et Bain, Madame Fiche. En application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2018. Le syndicat intercommunal pour la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents, SIAKEBA, a cessé d'exercer ses missions le 31 décembre 2017. Toutefois, le SIAKEBA a finalisé les opérations ayant pris naissance avant le 31 décembre 2017 et dont le dénouement n'est intervenu qu'en 2018, après avoir voté son budget de liquidation en date du 3 juillet 2018. Le conseil syndical du SIAKEBA, en date du 5 juin 2019, a approuvé le protocole de répartition de la trésorerie de l'actif et du passif, le procès-verbal de répartition et le tableau des comptes. Dans ce cadre, la ville de Valoris-Golfe-Jean récupérera 5 329,54 € de trésorerie. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le protocole de dissolution du SIAKEBA, le procès-verbal de répartition du patrimoine entre les collectivités membres et son tableau annexe de répartition de la trésorerie de l'actif du passif annexé à la présente.
d'autoriser Madame le maire à signer le procès-verbal de répartition du patrimoine entre les collectivités membres annexées à la présente, ainsi que tout document relatif aux actes et effets ci-dessus exposés. De dire que les recettes qui en découleront sont inscrites au budget communal. Des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Autorisation de signature de 4 avenants au marché public relatif à des prestations de services de télécommunications, lot numéro 1, téléphonie fixe et accès Internet asymétrique, lot numéro 2, téléphonie fixe, accès principal, lot numéro 3, téléphonie mobile et géolocalisation, numéro 4, marché négocié, service d'interconnexion. Madame Fisch. La commune de Valoris-Golfe-Jean a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en 2015 relatif à la passation des marchés de prestations de services de télécommunication pour le regroupement de commandes constitué spécifiquement avec le CCAS et la Maison du Tourisme devenue Office du Tourisme. Le marché se composait de 4 lots donc, qui viennent d'être cités. Et les 4 lots ont été attribués donc, pour le lot numéro 1 Orange, pour le lot numéro 2 Campletel, pour le numéro 3 Orange. Pour le lot numéro 4, Orange. Pour anticiper la fin des contrats actuels, une nouvelle procédure d'appel d'offres a été lancée au niveau européen le 23 juillet dernier. La date d'effet a été fixée au 1er mars 2020, compte tenu là encore de la phase préparatoire nécessaire pour des migrations de données ou des tests. Il convient donc de réajuster les chances des contrats actuels pour tenir compte de la période intermédiaire du 1er janvier 2020 au 1er mars 2020. Chaque lot doit être prolongé en conséquence en voie d'avenant, par voie d'avenant, qui doit prévoir l'application des prix unitaires initiaux consommation pendant cette période. La commission d'appel d'offres réunie le 20 septembre 2019 a émis un avis favorable à la passation des avenants. En conséquence, il est demandé au conseil municipal, vu les articles 33, 40, 57, 59 à 77 de l'ancien code des marchés publics relatifs aux appels d'offres, vu l'article 20 de l'ancien code des marchés publics relatif aux avenants, vu la délibération 1506-0026 du 26 juin 2015 autorisant Madame le maire à signer des marchés publics suite à appel d'offres pour des prestations de télécommunications, vu l'avis favorable émis par la commission d'appel d'offres lors de sa réunion du 20 septembre 2019, vu les projets d'avenant numéro 1 d'une prorogation à passer pour les lots 1 à 4, d'autoriser Madame le maire à signer les avenants numéro 1 au marché public relatif au lot numéro 1, numéro 3, numéro 4. D'autoriser Madame le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché public relatif au lot numéro 2. D'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre de l'avenant en question et de lui donner tout pouvoir pour signer tous les documents. D'indiquer que les dépenses en résultat seront enregistrées au budget communal correspondant. Des questions ? Pas de question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Concession du Vieux-Port, rapport d'activité 2018, Madame Fisch. Par délibération du 4 novembre 2016, la commune de Valoris-Golfe-Jean a approuvé la convention de transfert de propriété de gestion du Vieux-Port à compter du 1er janvier 2017, dont la compétence relevant avant la loi Nautré au département s'agissant d'un port de commerce. À ce titre, en respect des articles L1411-3 et 1411-7 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à tout concessionnaire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée. Donc je passe sur tous les détails. Alors, ce rapport d'activité, la synthèse de rapport d'activité de 2018. Il y a une légère baisse globale des nuitées, une augmentation du remplissage du port et du transport de passagers. Pour ce qui est le résultat d'exploitation, on a une augmentation du chiffre d'affaires de 1,2% et un bénéfice net. Il est à noter que ces résultats permettent depuis 4 ans à maintenir des tarifs tout en assumant les projets d'investissement présentés en conseil portuaire. Donc effectivement, les tarifs n'ont pas augmenté depuis 4 ans. Les investissements pour 2018, donc ils sont listés sur le document. Les dépenses d'entretien sont également listées. Et la qualité du service, le Vieux-Port est certifié ISO 9001 depuis 2001. Une enquête de satisfaction fait ressortir une satisfaction à 92%. Et enfin, la CCI a renouvelé,
vis-à-vis de la commune, donc à renouveler l'organisation de la fête du port, de la fête de la Saint-Jean, du nettoyage du plan d'eau et du port de Plaisance, et à remettre en place cette animation à l'occasion du Téléthon. Le rapport a également été présenté en CCSPL le 24 septembre 2019. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel de gestion 2018 de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, concessionnaire de la ville, en charge de l'exploitation et de la gestion du port communal du Vieux-Port. Et donc vous avez tous les rapports disponibles au secrétariat général. Merci. Nous allons passer au point 8, stationnement, délégation de services publics, rapport d'activité 2018. Madame Fisch. Par contrat, enregistré en sous-préfecture de Grasse le 2 avril 2012 et notifié le 10 avril 2012, la commune de Valoris-Golfe-Juan a délégué son service public DSP pour l'exploitation du parc de stationnement en ouvrage et de surface ainsi que du stationnement de surface à la société Vinci Parc France, devenue suite à un changement de dénomination sociale Indigo Parc pour une durée de 30 ans et ce conformément à l'article L1411-1 et suivant du Code général des collectivités locales, territoriales. Pardon, excusez-moi. Le traité de concession a été notifié sur un premier avenant en date du 30 mai 2013, puis par un deuxième avenant en date du 31 juillet 2015. Vous avez les détails des avenants. En respect de l'article 2-1 du contrat de délégation de services publics conclu et des articles L1411-3 et R1411-7 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée. En termes de procédure, le rapport en question a obligation d'être examiné par une commission consultative des services publics locaux. Le rapport d'activité portant sur l'exercice 2018 a donc été présenté en CCSPL le 24 septembre 2019. Le chiffre d'affaires hors taxe est de 902 922. Les charges d'exploitation de 438 001. Le résultat net est donc de moins 41 693. La contribution d'équilibre versée par la commune est de 104 209 kg. Les travaux réalisés sont notamment donc, ceux qui ont été prévus. La qualité du service est renforcée grâce à la nomination d'un nouveau directeur du secteur avec lequel un contact est beaucoup plus facile et permet donc de bien améliorer la situation. Il est donc proposé au conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 sur les délégations de services publics et le rapport annuel du délégataire, vu le traité de concession notifié le 11 avril 2012 par lequel la commune de Valoris-Golfe-Juan a délégué son service public pour l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface, ainsi que du stationnement de voirie à la société Vinci Parc France, devenu suite à un changement de dénomination Indigo Park pour une durée de 30 ans à compter du 25 mars 2013. Vu le rapport de la commission consultative des services publics locaux qui s'est tenu le 24 septembre 2019, de prendre acte du rapport annuel d'activité 2018 de la société Indigo Park, anciennement Vinci Park, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics ayant pour objet l'exploitation des parcs de stationnement en ouvrage et de surface ainsi que du stationnement de surface de la commune. Donc vous avez le dossier qui est joint à la délibération. Merci. Nous allons passer au PPP, rapport d'activité 2018, Monsieur Viano. Alors le partenariat public-privé, rapport d'activité, c'est bien évidemment l'éclairage public. Le 1er juin 2009, la commune de Valoris-Golfe-Juan a signé un contrat de partenariat public-privé avec la société Illumineo Valoris, ayant pour objet de confier à un partenariat public-privé une mission globale relative au financement de l'investissement d'ouvrages, d'équipements et d'installations nécessaires à la mise en éclairage public et des équipements électriques urbains, à la construction des équipements ou transformation des ouvrages, à l'installation et équipements existants, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance et leur exploitation.
En application de l'article 6.1 du contrat en question et de l'article L1414-14 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée. Ce rapport comporte notamment un compte rendu technique et un compte rendu financier permettant d'apprécier les conditions d'exécution et la qualité du service public. Ces documents ont l'obligation d'être examinés par la commission consultative des services publics locaux et d'être présentés à l'Assemblée délibérante afin que cette dernière prenne acte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la situation, le rapport d'activité et la situation au 31 décembre ? On retrouve qu'on a 4126 points lumineux, on a 83 armoires et tout ça pour une puissance de 535 kW, ce qui fait 130 watts par point lumineux, ce qui est tout à fait cohérent. De la pré-signalisation, alors ça c'est pour les passages routés ou les malentendants, on en a 9. Des panneaux à messages variables, on en a 4. Ça c'est les messages électroniques que vous voyez défiler. De la signalisation lumineuse tricolore, alors c'est pareil, c'est des signalisations, il y en a 12. Et des bornes de contrôle, c'est celles qu'il y a du type en descendant devant la mairie ou devant la police municipale. Maintenance préventive, des visites mensuelles. Alors il y a deux maintenances, il y a de la curative, c'est-à-dire quand un foyer est cassé, on va le remplacer. Il y a de la préventive en fonction de la durée de vie des ampoules, on va les remplacer avant qu'elles arrivent à une période où les éclairs ont moins. Donc là, maintenance préventive, des visites mensuelles de nuit visant à détecter les dysfonctionnements ont lieu sur les différents organes constituant l'éclairage fonctionnel et décoratif. Ces visites ont permis de détecter 62 points lumineux défaillants et ont donné lieu à réparation immédiate. Ça, c'est du curatif. Les différents signalements ont engendré 668 interventions curatives. Le relamping, c'est-à-dire le remplacement avant qu'elles deviennent tout trop vieille, a été effectué en 2018. 1100 lampes ont été changées dans les secteurs des Aimbiniers, des Moruches et du centre-ville. Et il y aura aussi du remplacement, du relamping en 2019, comme chaque année d'ailleurs. Concernant les feux tricolores, la pré-signalisation des carrefours, les bornes d'accès et les panneaux à messages variables, 12 visites mensuelles diurnes ont été réalisées. De plus, 12 opérations de renouvellement ont eu lieu suite à des sinistres. Bon, ça, c'est des voitures qui tapent dans les panneaux. Illumination et développement durable. Concernant les illuminations festives, un renouvellement de l'ensemble des motifs et décors a été réalisé pour un total de 430 unités en 2017, parce qu'on est passé avec des LED qui consomment beaucoup moins. Un ajustement a eu lieu en 2018 avec l'acquisition d'un ensemble lumineux de 4 mètres de haut. Ces derniers sont des dispositifs avec des motifs LED plus valorisants et moins énergivores. L'intérêt, c'est de payer moins sur la facture EDF. Réponse au DT, DR, DICT, l'entreprise a répondu à 85 demandes. Ça, c'est la loi, ils sont obligés de répondre. Coût de maintenance, l'ensemble des opérations de maintenance représente 266 291. Bon, elles sont encadrées de toute manière par le PPP. Économie d'énergie à isopérimètre, bon, avec le même périmètre, l'engagement de l'entreprise était de 30% suivant le contrat de partenariat. Le calcul des consommations suivant les critères décrits font apparaître une baisse de 33,87. Il faut dire que les LED nous ont beaucoup aidés à faire baisser la consommation. En conséquence, il est demandé au conseil municipal, vu le rapport de la commission consultative des services publics locaux qui s'est tenu en date du 24 septembre 2019, vu le contrat de partenariat public-privé, de prendre acte du rapport annuel 2018 de Illuminéo. Le rapport est bien sûr consultable au secrétariat général. Alors je vous rappelle que le PPP nous coûte 1,3 million par an, donc c'est une somme considérable. C'est pour l'investissement. Voilà. Et il est considéré aujourd'hui par le Trésor public comme un emprunt. Donc ce qui n'était pas intégré à la dette du temps de M. Giraud, ça l'est aujourd'hui. L'État considère que c'est une dette, ni plus ni moins. Voilà. Si vous voulez, quand on a construit les réseaux et éclairage public, on les a construits en 2 ans et on les paye jusqu'en 2024. Donc dans le PPP, le gestionnaire qui est Illuminéo a servi de banque. Mais il nous prend aussi des intérêts pour ça. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un emprunt. Sans vérité, on rembourse des travaux qui ont été préfinancés par Ineo, mais on lui rembourse avec des intérêts. Voilà, c'est l'effet pervers d'un PPP. Voilà. Et nous, on paie les coûts baissés. C'est bien passé ?
C'est les paupières, c'est assimilé à la dette, monsieur. Ça s'intègre dans la dette. Vous avez déjà laissé une dette ahurissante avec des empreintes d'oxyde. On peut rajouter cette dette-là aussi. Hein, premièrement, les dispositions sont postérieures à l'engagement que nous avions fait. Deuxièmement, on a rénové complètement le dispositif luminaire et les boîtes, les boîtes électriques qui sont sur la commune. Et on a économisé sur la consommation, vous l'avez dit vous-même, 33%. Je trouve que l'opération n'est pas mauvaise, loin de là. Alors dans ces conditions-là, même pour la station d'épuration, lorsqu'on avait eu le prêt de l'agence de bassin à taux zéro, là aussi c'est une dette. Alors, M. Giraud, pas. Donc, si on passe la logique, si on pousse la logique au bout, tout est dette. Dès qu'on nous prête quelque chose à taux zéro, c'est une dette. Non mais si vous voulez, M. Giraud, autant sur la rénovation des armoires, je vous suis parce qu'il y en avait besoin et on a fait des économies d'énergie parce qu'au moins on a d'armoire, au moins on a de contrats, donc moins on a d'abondements, ça je suis d'accord. En revanche, sur l'investissement sur 2 ans, je ne vous suis pas, parce que l'intérêt que nous applique Illumineo est bien supérieur à celui qu'on aurait eu en tant que commune si on avait investi chaque année. Donc on aurait eu au budget, pour 1 million d'euros qu'on paye à l'heure actuelle, on s'en serait sorti avec 700 000. Donc on aurait fait un gain de 300 000 par an. Voilà, 1,3 million par an, ce PPP. Merci, monsieur Giraud. Point 10. C'est super, moi j'adore que les élus rigolent de l'endettement de la ville, ça fait très plaisir. C'est bien. Point 10, contrat de délégation de service public de l'assainissement de la commune, rapport d'activité 2018. Monsieur Viano. Par contrat enregistré en sous-préfecture de Grasse le 6 septembre 2005 et notifié le 14 septembre 2005, la commune de Valoris-Golfe-Juan a délégué son service public DSP d'assainissement à la société Lyonnaise des Eaux, désormais appelée Suez. Et conformément aux articles L1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. En respectant l'article 50 du contrat de DSP conclu, et les articles L1411-3 et R1411-7 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au délégataire de présenter à la commune un rapport annuel d'activité pour l'année écoulée, même chose que pour Ideo. Le rapport a l'obligation d'être examiné par la commission consultative des services publics, locaux, article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales, et d'être présenté à une assemblée délibérante afin que cette dernière en prenne acte. Alors, quels sont les faits marquants et travaux de l'année 2018? Vous en parliez tout à l'heure. Réalisation de l'analyse des risques de défaillance de la station d'épuration. Alors, ça, c'est quand même important. On a un ouvrage qui peut polluer. On a réalisé une analyse qui a permis la création d'un manuel d'autosurveillance, c'est-à-dire une gestion plus facile des risques encourus. Quand on a répété, ça va toujours mieux que quand on découvre. Si vous voulez, c'est ça que ça a permis de favoriser. Travaux sur la station d'épuration en renouvellement d'un biofort servant au traitement biologique des effluents pour 317 000 euros. Ben ça, c'est un ouvrage qui s'use, qu'il a fallu remplacer. Travaux sur les postes de relèvement. Ça, c'est tous les postes de relèvement, c'est quand vous avez un réseau qui est plus bas et qu'il faut passer une colline, ben on prend tous les effluents, on les remonte avec une pompe. Et chaque année, ben, il y a des pompes qui s'usent, il faut les changer. Et là, il y en a pour 67 000 euros cette année. Alors, les travaux sur les réseaux, alors là, par contre, il y a eu des travaux de fait. 307 mètres au stade de Valoris, 345 mètres en PVC, chemin de la Zahine, dans le petit chemin à pied, là où le chantier a été difficile, le passage piéton. Il y en a eu pour 541 000 euros quand même. Hein. Celle-là, il y a beaucoup de travail à la main. On a été obligé de passer par là parce que le réseau était positionné dans ce chemin piéton. Renouvellement de 245 mètres ancien combattant d'Afrique du Nord pour 192 000 euros. Et dans les cadres de la déviation du RD 6007, on a fait 176 000 euros sur la partie de la pénétrante qui est pas ouverte hein, mais qui est en préparation. Renouvellement de 80 mètres linéaires dans le vallon du Baraya. Extension de 280 mètres linéaires sur le RD 6107. Mais ça aussi, c'est en prévision hein, de raccordement de lotissement et de reprise d'assainissement individuel qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand vous descendez à la plage,
Des fois, ça sent un petit peu. Donc, on aimerait que ces gens-là basculent sur le réseau d'eau de la ville. Renouvellement de 170 mètres carrés de PVC aussi sur le RD 6107. Les travaux engagés en 2018, qui ne sont pas encore terminés, on a un poste de renouvellement de Saint-Bernard-Bas. C'est le poste qui est, quand vous allez à Carrefour, qui était toujours inondé, qui est en face du Formule 1, qui a été déplacé, et ça c'est un gros ouvrage. Lancement d'une étude pour le renouvellement des réseaux d'eau usés de la ville Georges Clemenceau. Démarrage de la phase administrative des travaux de renouvellement des collecteurs d'eau usée situés dans le vaillon de la Maire. Étude sur le cheminage du réseau Place Cabas. Alors le cheminage, c'est on fait passer une machine à l'intérieur qui répare le tube existant s'il est endommagé. Étude pour le chemisage du réseau Avenue de l'Hôpital. Alors pourquoi on fait du chemisage? On fait souvent du chemisage quand on a des voies qui sont très passantes où il y a des poids lourds, et notamment le tapis vert ou l'hôpital, pour empêcher d'ouvrir, parce que le chemisage, on fait qu'un petit trou et la réparation se fait par une machine qui passe dans le tube. Présentation de l'outil Aquad Avancet, détaillant le fonctionnement et les mesures effectuées sur les différents capteurs positionnés sur le réseau d'eau usée. Cela permet d'avoir des indications de gestion du service afin de piloter le service façon plus pertinente. L'année dernière, on a fait poser des capteurs à des endroits stratégiques où on avait soit des débordements ou on savait que nos réseaux étaient un peu faibles. Cet outil, il mesure et il nous dit où c'est que ça ne va pas. Et bien, au fur et à mesure, on change des tronçons, on les agrandit et lui, il nous dit ben, maintenant, l'endroit qui est le plus sensible, c'est celui-là. Donc, c'est une aide au pilotage pour le remplacement et des tuyaux et l'amélioration du service. Sensibilisation et éducation dans la protection de l'environnement des enfants scolarisés dans les écoles primaires et maternelles. 569 élèves ont bénéficié de cette initiative grâce à la convention tripartite liant la ville Suez et Méditerranée 2000 et s'appelait aux enfants. Conformité de la station d'épuration Mobilis. La conformité d'une station de traitement est donnée par le service de la police de l'eau. L'exploitant, au vu des événements prévus par la réglementation en vigueur pour Mobilis, comparativement aux éléments constatés et ou mesurés dans l'année, qualifie Mobilis de conforme. La tarification des services, bon, vous savez qu'il y a une partie fixe annuelle et une partie proportionnelle avec deux tranches, entre 0 et 120 et au-delà de 120. Vous verrez que la redevance de modernisation des réseaux a baissé, que la part lyonnaise des eaux a un petit peu augmenté, que la part lyonnaise des eaux consommation a un tout petit peu augmenté aussi, et ça a conduit à une augmentation de 1,9, hein, puisque la part communale était à zéro, et donc il n'y a pas eu d'augmentation de la part communale, puisqu'elle est restée à zéro. Donc il y a une petite augmentation de 1,9%. En conséquence, il est demandé au conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L14-11-3, L14-13-1, et R14-11-7, vu le rapport de la commission consultative des services locaux s'étant tenu en date du 24 septembre 2019, vu le contrat de délégation de services publics relatif à la gestion du service d'assainissement modifié le 14 septembre 2005 à la société lyonnaise des eaux, de prendre acte du rapport annuel d'activité 2018 de Suez, délégataire en charge du contrat de délégation de services publics ayant pour objet la gestion du service d'assainissement de la commune. Alors, comme vous avez pu voir, c'est de très très gros travaux qui se sont faits et qui vont encore se faire. Pour exemple, le poste de relèvement de Saint-Bernard, c'est une totalité de 750 000 euros. Donc vous imaginez que la consommation est intense en ce moment et va s'accélérer bien évidemment, parce que chaque fois que nous ouvrons une voirie, on découvre des choses tout à fait anormales qu'il faut régler très rapidement. Alors aussi, vous avez pu noter que la part communale a été supprimée. Quand nous avons négocié le prix de la facture d'eau, c'est-à-dire assainissement plus eau, à la baisse, naturellement, nous avons passé cette part communale à zéro. Donc l'effort de la ville a déjà été fait envers l'usager et donc ça a été très apprécié. Des questions particulières ? Merci. Rapport de gestion 2018 de Sophia Antipolis Habitat. Donc, comme vous le savez, il y a eu entre la Cemival et la SACEMA en 2017 une fusion, le 1er janvier 2017.
ce qui nous a donné comme des actions à hauteur de 11% 4 et qui nous permet d'avoir chaque année effectivement un rapport d'activité très intéressant, puisque Sophia Antipolis Habitat est un bailleur très actif, pas trop chez nous, mais plutôt sur les communes d'Antibes, Villeneuve, etc. Nous avons donc eu les résultats qui sont très bons, et le patrimoine de Sophia Antipolis Habitat est de 1628 logements et 45 locaux commerciaux. Son chiffre d'affaires a légèrement baissé parce qu'il y a eu effectivement des variants durant l'année. Donc vous avez tout le détail avec tous les chiffres, avec une transparence absolue, beaucoup de pages. Donc je pense que vous avez tous lu ce rapport. Et donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vous écoute. Oui ? Oui, il y a quelques chiffres qui me semblent intéressants de relever. Seulement 13 logements, enfin habitations à loyer modéré, ont été attribués à Valoris Golfe Juan en 2018, donc attribués, pas construits. 67% des 192 logés qui ont été donc logés sur toutes les communes hein, gérées par Sophia Antipolis Habitat, 67% donc des relogés sont des actifs en emploi et 16% sont des retraités. Il me semblait important de souligner ces chiffres et de les communiquer pour déconstruire un petit peu les clichés sur les habitations à loyer modéré qu'il y a parfois. Je rappelle que 70% de la population est éligible aux critères sur les logements à loyer modéré. Et on voit que majoritairement, ce sont des actifs et des retraités qui en bénéficient. Tout à fait. Alors, je vous remercie de cette précision parce que c'est un rapport tout à fait significatif qui montre bien que ce sont les actifs. Pour les retraités, c'est un tout petit peu plus difficile. C'est pour ça que nous avons du mal parce que souvent, ils n'ont pas les revenus requis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les logements neufs sont à des loyers assez importants, contrairement à tout ce qui se raconte et tout ce qu'on peut dire de désagréable sur ces logements, et c'est très compliqué de rentrer des retraités qui n'ont pas peut-être suffisamment cotisé ou insuffisamment, ou des handicapés, etc. Donc c'est une bataille de tous les jours, et c'est compliqué d'arriver à loger des personnes de Valoris, parce que là aussi on a un peu de Valoris dans ces logements. Donc c'est bien parce qu'ils sont neufs, ils sont beaux, pour autant c'est Il est vrai que lorsque l'on voit des attributions de logements, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens et que le bailleur réduit parce qu'il ne gagne pas suffisamment. Donc parmi ces personnes-là, il y a énormément de retraités qui ont des toutes petites retraites et qu'on a du mal à loger, d'où l'intérêt d'avoir un jour une résidence senior. Merci. Modification des statuts du CICACIL, statut A, Madame Fisch. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-20, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dit loi Nautré, vu l'arrêté préfectoral du 13 février 1991 portant création du CICACIL, vu la délibération numéro 109-2019 du CICACIL en date du 26 septembre 2019, considérant la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale d'emploi Nautré, considérant qu'à compter de cette date, la communauté d'agglomération Cannes et Pays de l'Hérens, CACPL, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, CASA, et la communauté d'agglomération des Pays de Grâce, CAPG, se substitueront de plein droit à leurs communes membres au sein du CICACIL en ce qui concerne l'exercice de la compétence obligatoire eau. Considérant que la compétence optionnelle, défensive, extérieure, contre l'incendie restera quant à elle exercée par les communes membres du CICACIL, considérant notamment que les statuts du CICACIL qui font de la compétence eau une compétence obligatoire pour l'ensemble de ses membres ne permettent pas dans leur rédaction actuelle le maintien des communes au titre de la compétence optionnelle défense extérieure contre l'incendie,
Considérant en outre que l'adhésion de la commune du Canet au titre de ladite compétence optionnelle permettrait d'harmoniser l'exercice de cette compétence pour le territoire syndical, considérant en conséquence que la modification statutaire proposée a pour but de maintenir les deux compétences actuelles exercées par le syndicat, et en particulier la compétence défense extérieure contre l'incendie, d'autoriser l'adhésion de la commune du Canet au titre de la compétence optionnelle défense extérieure contre l'incendie, de maintenir la gouvernance actuelle avec, de manière constante, 22 délégués titulaires au titre des deux compétences, eau et défense extérieure contre l'incendie, répartis au sein de deux collèges distincts, article 8 du projet des statuts ci annexé. D'autoriser le syndicat à réaliser diverses prestations au profit de ses membres et de tiers. Considérant que pour être adoptée, la présente modification statutaire doit recueillir l'avis du conseil syndical intercommunal et des communes membres par délibération concordante de l'organe délibérant et des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d'un EPCI. Considérant que cette majorité qualifiée correspond à la moitié des membres représentant des deux tiers de la population ou l'inverse, incluant l'accord des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale du syndicat. Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de notification au maire de la commune de la délibération du syndicat intercommunal pour se prononcer sur cette modification statutaire et qu'à défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir, vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-20, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle réglementation territoriale de la République, vu l'arrêté préfectoral du 13 février 1991 portant création du SICACIL, modifié aux arrêtés préfectoraux du 6 mai 1991, du 26 mai 1992, du 7 mai 1993, du 15 février 2006 et du 31 octobre 2012, vu la délibération numéro 109-2019 du SICACIL en date du 26 septembre 2019, approuvant le projet de modification statutaire et autorisant le président à modifier cette délibération aux communes membres du syndicat. Solliciter l'extension du périmètre du SICACIL à la commune du Canet au titre de la compétence optionnelle défense extérieure contre l'incendie au 31 décembre 2019. Solliciter l'attribution de 4 mandats de délégués syndicaux à la commune du Canet au sein du conseil syndical du SICACIL à compter du 31 décembre 2019. Approuver le projet de modification statutaire quelques jours en annexe adopté par délibération numéro 109-2019 du SICACIL en date du 26 septembre 2019. Autoriser Madame le maire à notifier cette décision à Monsieur le Président du SICACIL. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout acte consécutif à l'exécution de la présente délibération. Des questions ? Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci. Modification des statuts du SICACIL, adhésion de la commune de Mandelieu, Lanapoule, au SICACIL, statut B. Alors, c'est la même délibération que la précédente, si ce n'est que ça concerne cette fois la ville de Mandelieu, qui doit être intégrée donc au SICACIL pour tout ce qui concerne donc, l'exercice de la compétence eau et l'exercice optionnel de la défense extérieure contre l'incendie permettant de disposer au sein du SICACIL d'une gestion globale harmonisée. Donc toutes les demandes d'acceptation et d'autorisation sont les mêmes que sur la délibération précédente. Pas de question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Constitution d'un groupement commun entre la commune et le syndicat mixte inondation, aménagement et gestion de l'eau Maralpin pour la passation d'un marché public de prestations intellectuelles maîtrise d'œuvre en vue d'aménagement urbain et hydraulique du bassin versant de l'Issourdadou. Donc, comme vous le savez, il s'agit du SMIAGE qui est chargé par la CASA de réaliser les études concernant le bassin de rétention du stade de Valoris. Donc ce bassin a été plusieurs fois programmé, jamais réalisé. 4 bassins étaient nécessaires depuis 1996. C'était une préconisation
2 ont été réalisés et ce bassin est très important suite aux inondations de 2015. Il se trouve que le SMIAGE, ayant identifié le volume de ce bassin, l'a trouvé sous-dimensionné suite aux inondations de 2015. Donc il est nécessaire aujourd'hui de refaire un travail autour de ce bassin. La réalisation sera évidemment confiée en partenariat avec la ville au SMIAGE, de manière à avoir un bassin parfaitement adapté au type d'inondation que nous avons connu en 2015. Sachant que le PPRI aussi a été révisé à la demande de Monsieur le Préfet sur notre commune et est bien identifié que ce bassin doit être de proportions plus importantes. Voilà, donc c'est un groupement de commandes avec le SMIAGE, de manière à avoir de nouvelles études complémentaires qui sont justifiées au regard des études déjà existantes et des travaux réalisés par les éléments suivants. La prise en compte de l'événement exceptionnel, évidemment, du 3 octobre 2015, la prise en compte d'un plan local d'urbanisme plus récent, IPSO 1996, la prise en compte du PPRI en cours de révision, la prise en compte de l'étude globale menée par la CASA en cours de réalisation. Vous savez que nous sommes sur des PAPI. Le PAPI 2 avait en 2014 adopté la réalisation de ce bassin et il est question aujourd'hui de réactualiser. Alors, il est évident qu'un dimensionnement global cohérent avec les volumes des bassins écréteurs existants et le niveau de protection attendu doit être réalisé urgentement. Donc, ça sera sous la responsabilité du SMIAGE. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Donc, il est question de m'autoriser à signer la convention de constitution de groupement entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et le syndicat MIS Inondation, Aménagement et Gestion de l'eau Maralpin-SMIAGE portant sur la passation d'une procédure marché public de maîtrise d'œuvre, mission complète, et sur les études associées en vue de réaliser des aménagements hydrauliques urbains sur le bassin versant de l'Issourdadie. Des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Règlement local de publicité, prescription, révision, fixation des modalités de concertation, Monsieur Viameux. Par délibération en date du 17 octobre 2007, le Conseil municipal a adopté la révision du règlement local de publicité applicable sur la commune de Valoris-Golfe-Juan. Alors, pour information, le règlement de publicité, c'est un règlement qui va donner les possibilités pour les devantures, les enseignes, les magasins et les panneaux publicitaires. Donc, c'est un règlement qui devra être mis en œuvre avec nos administrés. Et les enseignes. Et enseignes. Ce nouveau règlement a pour objet d'assurer la protection du cadre de vie et de l'environnement bâti ou naturel tout en intégrant une signalétique satisfaisante pour les entreprises. La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi Grenelle 2, a modifié les dispositions du Code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes. Cette loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l'élaboration ou la révision de règlements locaux de publicité et confère à l'EPCI compétent en matière de PLU ou à défaut à la commune la compétence pour élaborer le règlement local de publicité. Donc, dans notre cas, c'est la commune qui est responsable. Cette nouvelle réglementation implique que la commune révise son règlement local de publicité. Cette révision permettra également de s'interroger sur les changements de l'environnement bâti ou naturel sur la commune et les évolutions technologiques en termes de publicité extérieure et notamment l'arrivée de panneaux à LED qui fleurissent un peu partout. L'objectif demeure la maîtrise des implantations publicitaires tout en répondant aux impératifs de communication, de commerce pour une ville attractive et touristique. Conformément à l'article L153-11 du Code de l'urbanisme, les objectifs et les enjeux du règlement de publicité sont les suivants. Protéger la qualité du patrimoine bâti et naturel en limitant la surface et la densité de publicité extérieure, et là je rajouterai surtout dans la vieille ville. Adapter au contexte local les dispositions réglementaires relatives aux nouveaux dispositifs introduits par la loi tels que la publicité lumineuse, les bâches comportant de la publicité, les dispositifs de grande dimension. Veiller à sauvegarder l'image de la commune en conciliant les intérêts économiques
des commerces et l'impact des publicités, plus particulièrement la réflexion devra porter sur les entrées de ville et notamment sur la zone du Saint-Bernard, ainsi que sur tout le périmètre du cœur de ville avec la cité historique et le château. Les procédures d'élaboration, de révision ou de modification du règlement local de publicité sont identiques à celles relatives au PLU. Les modalités de concertation seront conformément aux articles L103-3 et L103-4 du Code de l'urbanisme les suivantes. Mise à disposition du public et des personnes concernées d'un registre permettant de formuler des observations et propositions tout au long de la procédure de révision. Mise en ligne sur le site internet de la commune du dossier de son état d'avancement avec possibilité pour le public de formuler des observations. Donc des observations, vous pourrez les faire, tout le monde pourra en faire en mairie et sur le site de la commune. Et organisation d'une ou plusieurs réunions publiques, et notamment dans les quartiers où il y a pas mal de commerces. Cette procédure de révision et d'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité nécessite un travail important et des compétences extérieures. Aussi, la ville de Valoris-Golforage, Golfe-Juan, s'attachera à les services d'un cabinet extérieur qui se verra confier une mission d'assistante pour l'accompagnement de cette démarche de révision. Et c'est un cabinet qu'il a déjà fait dans des villes, dans plusieurs villes avoisinantes. Il est proposé au conseil municipal de prescrire la révision du règlement local de publicité des enseignes et préenseignes, de fixer les modalités de concertation telles que définies dans la présente délibération, de solliciter l'État afin qu'une compensation financière soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires à la révision du règlement local de publicité des enseignes et préenseignes, et de charger Madame le maire ou son représentant de conduire la procédure. Alors, ce qui ne paraît pas, c'est que ce règlement local de publicité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est très compliqué à élaborer, dans la mesure où il y a beaucoup d'intérêts contraires, c'est-à-dire à la fois tout le tissu économique qui nous demande toujours plus d'enseignes et de panneaux, et les usagers qui en demandent peu, et pour tout dire, pas, pour des nuisances visuelles, des nuisances lumineuses, etc. Donc c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre notre temps, d'ouvrir un registre où tout un chacun pourra venir faire ses propositions et surtout un site internet où là pourra intervenir des propositions de qualité qui pourront orienter la réflexion du cabinet qui sera chargé d'élaborer un règlement. Alors ce règlement évidemment sera débattu lors de plusieurs réunions publiques. Parce que, comme je viens de le souligner, les intérêts sur une commune sont toujours contraires. Vous avez la personne qui travaille énormément et qui a besoin d'être vue, la personne qui se trouve à Saint-Bernard, qui est une zone très concentrée sur le plan économique et où beaucoup d'entreprises souhaitent être vues et de plus en plus, et vous avez l'environnement qui, effectivement, ne se prête pas à ce genre de matériel qui, maintenant, devient de plus en plus lumineux. Voilà, donc c'est la difficulté. Au début, tout le monde a trouvé que les LED étaient une invention extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Donc c'est compliqué d'arriver à équilibrer. On va essayer de travailler là-dessus. Nous aurons probablement pas tout à fait une année, mais presque, pour recueillir les propositions diverses et variées. Je vous invite, si vous êtes dans des secteurs particuliers, à y réfléchir, parce qu'effectivement, il y a le domaine de la santé, il y a absolument tout. Et on voit fleurir des panneaux absolument, et on nous en demande tous les jours. Hein. Ça, je peux vous dire que la signalétique, c'est la plus grosse critique qui existe sur la commune. Pas assez de signalétique. Quasiment, quand on sort d'un endroit, il faudrait qu'on sache s'il faut tourner à droite, à gauche. Voilà, ça devient très, très compliqué pour nous. Alors, de temps en temps, on cède, mais on se rend bien compte que tout n'est pas si simple. Il est paré dans un règlement de publicité. Voilà, des interventions, oui. Ce que je peux mettre en complément, c'est que ce règlement, il va aussi certainement limiter les périodes d'illumination des vitrines qui n'ont pas besoin de rester allumées toute la nuit. Hein? Oui, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises sur l'affichage publicitaire. On en a discuté encore cette semaine en commission. Juste quelques mots pour rappeler qu'il y a deux volets assez distincts dans le règlement local de publicité. Vous l'avez dit, il y a un volet sur l'affichage publicitaire et un volet, on va dire, plus commercial sur les enseignes et préenseignes. Sur l'affichage publicitaire, il y a un mouvement national qui tend vers la sortie justement des affichages publicitaires dans les communes parce que c'est une forte demande des citoyens.
Et alors, pas pour des raisons invoquées au départ contre l'affichage publicitaire, c'est-à-dire que le fait que la publicité soit un impôt caché pour le citoyen consommateur, le fait que ça pousse à la consommation, le fait qu'il y ait parfois des propos sexistes ou etc. qui soient tenus et sur lesquels les politiques n'ont aucune prise, mais tout simplement pour la raison de la protection des paysages que vous disiez, parce que la ville est beaucoup plus agréable à vivre lorsqu'il n'y a pas d'affichage publicitaire dans les villes. Donc je pense que c'est un objectif qu'il faut qu'on garde en tête, c'est tendre vers cette sortie de l'affichage publicitaire à Valoris Golfe Juan. Et je pense que c'est assez facile, dans le sens où pour l'instant, les seules voies, on va dire, où l'affichage publicitaire est autorisé, c'est la National 7, enfin, l'axe National 7 au Golfe, et c'est Saint-Bernard-Tapivert à Valoris. Donc on n'a pas des zones extraordinairement étendues à contrôler. Vous avez parlé des dispositifs numériques, même chose. Une sortie généralisée des dispositifs numériques, et je pense que nous aussi on doit prendre les devants sur ce point. Là il y a un problème de consommation énergétique en plus qui se pose, un panneau numérique c'est l'équivalent de la consommation d'un foyer de 4 personnes. Donc ça sortons-en également. On en a parlé en commission pendant le mandat, vous nous avez présenté une délégation de services publics sur les abribus et l'affichage deco, qui a de fait étendu l'affichage publicitaire en ville. Donc je pense qu'il faudra qu'on ait une réflexion aussi sur la non-reconduction de ce type de contrat maintenant que le mobilier urbain est installé. Sur le point de vue plus commercial, qui inquiète beaucoup les commerçants, je pense qu'il faut dissocier les petits commerçants des grandes enseignes, donc typiquement les centres-villes de Saint-Bernard, dans le sens où on pourrait baisser la taxe sur les enseignes, sur les petites superficies, donc ceux qui bénéficieraient aux commerçants, et au contraire faire une taxe plus progressive sur les grandes enseignes au niveau de Saint-Bernard. Ça, c'est possible dans d'autres villes quand il y a une harmonisation des enseignes, parce qu'il y a eu une course au gigantisme ces dernières années à qui avait la plus grosse enseigne, mais si jamais il y a un cadre contraint et protecteur, en général, ça permet à chaque commerce d'être assez visible pour ne pas avoir à étendre ses enseignes de manière trop importante. C'est les quelques points que je voulais présenter, ainsi que celui dont vous avez déjà parlé, monsieur Viano, concernant l'extinction des vitrines et des enseignes la nuit, qui paraît une disposition nationale qui a été un peu renforcée ces derniers temps, ce qui est une très bonne chose. Alors, je partage pas tout à fait vos sentiments, hein, parce qu'il y a même dans cette salle des personnes que j'ai reçues qui ont des grandes enseignes, et effectivement, nous avions un petit peu augmenté pour dire. Aux entreprises qu'il fallait mettre des enseignes de taille plus raisonnable. Et lorsque nous sommes arrivés, ça a été vraiment la guerre, hein, je vous dis tout à fait franchement. Je pense que nos administrés et surtout nos entreprises ne sont pas prêtes à entendre ce type de discours. C'est pour ça que je vous dis que le règlement local de publicité va être très compliqué à mettre en place. Ensuite, moi, les administrés me disent au contraire qu'on n'a pas assez de signalétique, et ça, j'en demande tous les jours. Je n'ai pas tout à fait le même retour pour y être tous les jours dans les retours en permanence. Chaque fois, on me dit, nous n'avons pas ces panneaux, ce n'est pas indiqué, il faut faire de la publicité. Aujourd'hui, on est dépassé, débordé par le nombre de demandes des associations et des manifestations. Alors, c'est sûr qu'on a triplé les manifestations. Pour autant, on arrive à avoir des ronds-points avec trois affichages en même temps. Donc ça va être très très compliqué parce que chaque manifestation, pour chaque créateur de la manifestation, il faut qu'elle soit réussie. Et il n'y a pas d'autre moyen que la publicité et tout le monde n'est pas sur Internet. Et ça, on l'entend absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que j'ai bien compris que ça c'est un gros sujet à Valoris et qu'il est important de se hâter lentement et de recueillir quartier par quartier. Est-ce qu'il faut qu'un traiter peut-être quartier par quartier, secteur par secteur. Les associations consomment énormément de publicité et lorsqu'on n'en fait pas, on a le retour de la colère. C'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. Je pense que ce type de règlement ne fonctionne pas en termes de théorie, mais en termes de pratique et d'utilité pour les administrés. Chaque ville a le droit de fonctionner comme elle le souhaite. C'est pour ça qu'on fait un règlement, pas que s'impose le règlement de l'État, dans le cas où nous ne pouvions pas élaborer et finaliser ce règlement, ce serait la loi qui s'impose. Et la loi ne se discute pas, donc à partir de là, la maîtrise de notre territoire nous échappe. D'accord.
deux petites... Oui, non, c'est un sujet. Deux précisions sur ce que vous venez de dire. La communication des associations n'est pas du tout régie par le règlement local de publicité. C'est le titre de l'information, donc de l'affichage légal, pas de la publicité. Quant à la signalétique, elle n'est pas non plus régie par le règlement local de publicité. Je veux dire où est le centre-ville, ce n'est pas régi par le local de publicité. Ça, c'est de la signalétique. Par contre, ce qui est régi, c'est ce que vous voulez dire, je pense, c'est tout ce qui est les préenseignes. Donc, indiquer où est tel commerce ou tel autre. Et ça, en effet, c'est un sujet. Le troisième point que je voulais dire, j'ai suivi une formation sur le sujet cet été. Hein. Le retour que nous faisaient les élus qui étaient en pointe sur ces questions-là, c'est qu'en effet, dans un premier temps, il y a une grosse inquiétude des commerçants, de voir, notamment de ceux qui ont des grosses enseignes, de les voir diminuer, et que forcément, ils sont un petit peu vent debout ce genre de dispositifs nationaux, mais qu'une fois que c'était en place, ils voyaient leur intérêt et qu'il y avait que l'amélioration du cadre de vie et de leur rue, en général, leur était bénéfique. Donc c'est aussi peut-être le rôle des élus de rassurer les commerçants et de voir avec eux quels sont les meilleurs dispositifs pour que tous, on puisse vivre dans un cadre qui soit à la fois attractif et à la fois attrayant. Je ne suis pas là non plus d'accord avec vous, dans la mesure où votre formation est certainement de très grande qualité, mais elle est surtout faite par des élus écologistes. Donc je comprends leur motivation. Si, parce qu'on a des informations. Donc je comprends votre motivation, elle est tout à fait légitime. Cependant, nous on s'était orienté sur des panneaux tactiles lumineux où là on alliait absolument tout, c'est-à-dire l'information et la publicité. Dans la mesure où chaque fois qu'un site ou un local ou un musée ou un établissement était identifié, on pouvait véritablement avoir toutes les informations publicitaires qui concernaient cet établissement. Donc, on était pour rationaliser l'information et la publicité. Sauf qu'on a freiné des cas de fer, Madame Bonicelli est là pour le dire, parce qu'on nous a présenté des panneaux à forte nuisance visuelle. Voilà. Et là, donc, on a dit qu'on arrêtait tout, parce qu'effectivement, c'était concis, synthétique, rationalisé. Cependant, rien que le panneau nous semblait, poser un problème et peut-être une pollution visuelle. Donc je vous assure, quand je dis que ce n'est pas si facile à sortir, j'ai pris attache avec mes collègues, puisqu'on se voit plusieurs fois par semaine avec les élus de la CASA, et chacun, selon sa collectivité, village, ville moyenne, grosse ville, a ce problème. Et avec des retours violents quand on passe en force. C'est-à-dire, si on ne fait pas, comme d'habitude, comme c'est tout est la faute du maire, donc je ne vous raconte pas, vous savez ce qu'il faut dire. Ensuite, si on fait, c'est horrible, ça dénature, ça gâche, etc. Donc, à la finale, soit certains passent en force, soit d'autres, comme nous, freinent, en disant, il faut qu'on trouve la solution parfaite. Qui, à mon sens, à partir du moment où elle prend position dans un univers végétalisé, urbain, environnemental de qualité, apporte une dégradation. C'est inévitable, de par même le support. Voilà, il y a un support qui est difficile à trouver, qui deviendrait presque invisible à l'œil nu, c'est pas possible. C'est contraire à la publicité, aux indications, à la signalétique, à tout. Moi, l'idée, c'était qu'on réduise ce nombre, comme vous dites, ces panneaux qui ne sont pas la publicité, mais qui en sont, parce que quand vous indiquez que c'est le musée, ça veut dire que, quand même, c'est une attractivité culturelle, mais aussi commerciale, où on vous invite à aller au musée. Là, moi, j'avais souhaité qu'on diminue le nombre de panneaux, de fléchages, où on en a de partout. Et l'excès nuit à l'information, ça c'est une évidence, quand vous avez toute une palette à Saint-Bernard de noms. Déjà, il faut avoir la possibilité de s'arrêter en voiture, ce qui n'est pas évident à Saint-Bernard, pour trouver l'établissement ou l'entreprise que vous cherchez. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je vous assure, pour avoir travaillé longtemps depuis plusieurs années avec d'abord Madame Fisch, qui avait eu un gros travail de diminution des panneaux, des enseignes, etc., Madame Bonicelli, en lien avec les organismes de publicité qui tous nous proposent du matériel plus beau, plus grand, plus formidable, plus extraordinaire, plus réactif, mais toujours extrêmement massif. Ça ne peut pas être autrement, c'est pas possible. La publicité, par nécessité, elle se voit. Voilà, c'est clair,
comme de l'Andrange, ça ne peut pas être mieux résumé. Et quand ça se voit, là, il y a polémique et conflit entre deux options idéologiques, j'entends, hein, parce que certains disent l'économie, c'est de la publicité, et d'autres disent l'économie, c'est quelque part, quand c'est visuel et outrancier, une nuisance environnementale. Alors, pour mettre d'accord les deux parties, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que je redis que c'est un sujet qui va nous animer quelque temps et qui, à mon avis, va poser problème. Voilà. Donc, pour ça, oui, pardon. Oui. Non, juste pour demander après dans le sens, je rappelle que derrière les bâtiments, les grosses enseignes, il y a des salariés dedans. C'est un point important. J'ai passé ma vie dans une grande enseigne qui appartient à un groupe immense et on a aussi des retours là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe depuis quelques mois ou quelques années, c'est le phénomène Internet. Le phénomène Internet fait que les magasins se vident légèrement et on passe beaucoup en ligne. Et aujourd'hui, rajouter à un manque de visibilité des enseignes, c'est vraiment dramatique. Que finalement, une enseigne, elle doit attirer, parce que sur sa façade, il doit y avoir des éléments qui permettent d'attirer le chaland. Et aujourd'hui, on a déjà une grosse concurrence. Et dans toutes les enseignes, moi je parle des rapports que j'ai de la famille Mullier, comme beaucoup le savent, est propriétaire de 80 des plus grosses enseignes de France et le retour Internet est quelque chose qui est terrible. Alors oui, c'est vrai qu'on a envie de dépolluer les paysages, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Après, il faut savoir différencier effectivement la signalisation, mais aussi les zones commerciales et on ne peut pas comparer le chemin de Saint-Bernard au centre ancien, évidemment, on ne peut pas avoir la même chose, mais il ne faut pas être trop sur le chemin de Saint-Bernard, il faut aussi comprendre que c'est un poumon économique et si on ne voit pas les enseignes, les salariés dedans en souffrent énormément. C'est aussi quelque chose dans lequel il faut tenir compte. Je vous remercie pour ce témoignage judicieux économique qui doit être partagé par pas mal de personnes dans la salle. Effectivement, chaque fois que je reçois un chef d'entreprise, il me dit, rappelez-vous toujours que derrière l'enseigne, il y a des emplois. Et s'il n'y a pas de clients, à un moment, il y a du licenciement. C'est ce que j'entends tous les jours. Voilà. Donc c'est vrai, c'est compliqué. Et nous, on doit servir avant tout l'emploi. Véritablement, on est dans l'humain. La politique est faite pour l'humain. Elle n'est pas faite simplement pour des théories ou des idéologies. Il faut toujours se préoccuper au cœur de la réflexion du projet et l'humain là-dedans. Voilà. Et l'humain là-dedans, moi, c'est ce que je crains, personnellement. C'est de voir peut-être des entreprises moins visibles venir me dire qu'ils ont été obligés de licencier. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, c'est attention à ce que vous allez faire. Donc j'ai dit, on va pour le moment réfléchir, ça va nous prendre du temps. Et j'entends ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je vous remercie de ce témoignage, parce que même si ce sont des enseignes moins importantes, moins visibles, parce que vous avez toutes sortes d'artisans aussi, et il ne faut pas les oublier, c'est certainement les plus gros pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui en France. Je trouve qu'on les oublie un peu trop. On robotise les grosses enseignes, pas la vôtre évidemment, mais les grosses entreprises. Les artisans ne se robotisent pas. Ils emploient des humains. Et c'est très important d'écouter leur message. Voilà, je vous remercie. Donc, qui est contre ce règlement ? S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Monsieur Viano, dans le commentaire que vous avez fait de cette délibération, je n'aborderai pas le fond, il vient de l'être d'une façon non pas exhaustive, mais assez fournie. Vous déclarez que le cabinet externe, qui a déjà opéré auprès de plusieurs villes, etc., donc je suppose que vous le connaissez déjà. Pouvez-vous me donner le nom ? Ah, pas du tout, je ne connais pas, mais il y en a plusieurs. Alors, vous voyez ce commentaire que vous avez fait ? Mais il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs grandes villes. D'accord. Et à mon avis, ça va, c'est eux qui vont être retenus, ils vont candidater. Et on va avoir des jeunes qui ont déjà travaillé sur ce sujet-là. Oui, donc vous avez déjà une idée de l'éventualité. Pas du tout, on va le lancer, mais on sait que les communes avoisinantes, Antibes, grâce à ça, ont fait leur règlement et ils nous ont dit qu'il y a des cabinets qui savent très bien faire, en plus ils ont fait chez nous. Voilà. Est-ce que vous avez déjà reçu les différents. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous remercie. Donc,
Nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Merci. Convention de financement dans le cadre de du FEDER sur la préservation du foncier agricole entre la CASA et les communes partenaires dans le volet reconquête de friches agricoles. On passe de la publicité à l'agriculture. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis-Casa s'est engagée dès sa création à soutenir l'agriculture de proximité qui est un enjeu communautaire majeur. À cette fin, par délibération communautaire du 6 novembre 2017 et du 23 avril 2018, la CASA a répondu à l'appel du projet européen APA émis dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, appelé FEDER, stratégie locale de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et naturel. Ce projet a plusieurs objectifs, des études d'opportunités pour la création de zones agricoles protégées sur Châteauneuf et Villeneuve-Loubet, des études de potentiel agricole dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme à Bar-sur-Loup, à Tourette-sur-Loup, au Rouvray et à Gléolière, l'animation foncière en vue de mobiliser et reconquérir des friches à Tourette-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf, Gourdon, Le Rouvray, Cipierre, Cossol, Gréolière. Et remise en état de friches agricoles Tourette-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, La Colle-sur-Loup, Châteauneuf, Gréolière, Le Rouvray, Opio, Val-le-Bonne, Valorise et Courcebouille. Dans le cadre de Valorise, Golfe-Juan fait partie des 10 communes qui seront bénéficiaires de subventions pour la remise en état de friches agricoles qui devront être identifiés. Dans un souci de solidarité, la CASA souhaite soutenir financièrement les communes qui s'engagent dans cette reconquête de friches agricoles en leur remboursant par anticipation la partie subventionnée selon le type de travaux réalisés. Vous le comprenez, la CASA préfinancera la subvention que donnera le Fonds FEDER. Le Conseil communautaire a délibéré en ce sens le 1er avril 2019. L'intérêt pour la commune est de pouvoir percevoir les subventions par anticipation sans attendre l'instruction des demandes de paiement par les services instructeurs fédéraux de la région qui risquent de prendre un certain temps. Une convention entre la CASA et les communes partenaires doit être par conséquent établie afin de mettre en place ce mécanisme de financement ou de préfinancement et déterminer les modalités de remboursement. Il est ainsi prévu que la CASA reversera aux communes par anticipation les recettes afférentes aux missions suivantes. 535 144,88 euros TTC pour la remise en état de friches financées à hauteur de 80% par le Fonds FEDER. Non, financées à hauteur de 80%. Dans ces 80%, 80% sont pris en compte par le Fonds FEDER et 20% par la région. Les 20% restants constituent la part autofinancée par les communes identifiées, donc il restera toujours 20% à charge des communes. 430 037,84 TTC pour les investissements matériels financés à hauteur de 40%, il restera donc 60% et dans ces cas à charge de la commune, et dans les 40%, 80% seront payés par le Fonds FEDER et 20% par la région. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les modalités de la convention de financement dans le cadre de l'AAP FEDER sur la préservation du foncier agricole entre la CASA et les communes partenaires dans le volet reconquête de friches agricoles et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention sur le projet annexé ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Oui. Le micro fonctionne. Ah, ça y est. Oui, toute subvention est bonne à prendre. J'ai aucune objection sur ce dispositif, même si l'enveloppe de 500 000 euros à se partager entre 10 communes ne laisse pas entrevoir de grands projets porteurs. C'est dommage qu'on ne se positionne pas sur les autres volets qui sont bien plus engageants que celui sur lequel nous nous positionnons. Par exemple, dans les 10 communes là, qui bénéficient de ce dispositif, on est la seule commune à ne plus avoir de zone agricole au plan local d'urbanisme. On n'a pas non plus de recensement de parcelles à vocation agricole, on n'est pas en phase d'installation d'agriculteurs pour nourrir les écoles, etc. Donc c'est bien de vouloir remettre en friche une parcelle ou deux, c'est très bien. Si on veut défendre et développer l'agriculture locale, je pense qu'il faut au préalable s'appuyer sur des dispositifs d'urbanisme que je viens de citer, plutôt que sur des mesures ponctuelles. Alors ça, M. Falcou, je suis tout à fait d'accord, mais ça, ça rentre
conclue dans le cadre d'une révision du PMU. Devons-nous en parler? Non, ce qui n'empêche pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas aussi que le PMU, ce qui n'empêche pas aujourd'hui avec les personnes concernées, surtout les professionnels concernés, de repérer des terrains. Aujourd'hui, on en a repéré quelques-uns, avec un potentiel de plantation. Donc on regarde un petit peu partout. On en a détecté sur le tracé de la départementale, donc là on a trouvé des terrains intéressants. On va rentrer dans des négociations prochainement, donc on continue, hein, on continue à regarder le fait que le PLU ne prévoit pas, n'empêche pas de trouver des terrains. On en a trouvé, donc je crois que l'avenir, petit à petit, va se constituer peut-être un patrimoine intéressant. Vu le prix du foncier, c'est compliqué, parce que comme vous l'avez remarqué, les subventions sont ce qu'elles sont. Elles restent à la charge 20% pour la commune en ce qui concerne le financement du terrain. Compte tenu du prix du foncier sur la commune, c'est pas difficile. Donc je crois qu'il va falloir effectivement passer par une mesure beaucoup plus radicale qui identifiera tous ces terrains qui ne pénalisent personne. Parce que l'idée, c'est quand même de ne pas pénaliser les propriétaires. Je suis très attachée à la liberté en général et surtout celle-ci en particulier. Donc on est en train de faire un travail de fourmi pour trouver des terrains et on en trouve. La promotion se termine en avril 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avenant numéro 1 à la convention d'anticipation foncière avec le BFPACA et la CASA, monsieur Diallo. Dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville, la commune valorisée de Fulgent a signé une convention d'anticipation foncière sur le site Cœur de Ville, suite à une délibération du conseil municipal DE 1807-0006 en date du 23 juillet 2018. Cette convention a été passée avec l'établissement public foncier PACA et la CASA. Le PFPACA a été sollicité pour assurer la maîtrise foncière de l'IO et pas du Cabanon, identifié comme site de renouvellement urbain dans l'étude préopérationnelle OPHRU. Des négociations ont d'ores et déjà été engagées par le PFPACA avec les propriétaires identifiés comme vendeurs de ce site. Donc le PFPACA, c'est quelqu'un qui préfinance, qui après passe le bébé à quelqu'un qui va monter un projet et revendra ce qu'il aura monté. Et c'est quelqu'un qui se substitue à la commune pour acheter afin de rénover le quartier. C'est ça qu'il faut comprendre. En conséquence, l'engagement financier de 2 millions d'euros prévu au titre de la convention d'anticipation foncière risque d'être insuffisant au vu du montant des acquisitions déjà envisagées sur ce site qui s'agrandit et qui va de l'impasse du Cabanon et qui va plutôt s'étendre vers l'impasse des Deux-Vallons, les Deux-Vallons. Un projet d'avenant à cette convention est donc proposé afin d'augmenter de 2 millions d'euros l'engagement financier de PFPACA en vue de couvrir les acquisitions à venir et de poursuivre la veille foncière. Les autres dispositions de la convention d'origine restent inchangées, donc le PFPACA a besoin pour acheter les terrains d'une rallonge de 2 millions d'euros. Voilà ce que veut dire cette délibération. D'approuver, alors il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant de la convention d'anticipation foncière sur le site Cœur de Ville entre la commune de Valoris-Golfe-Jean et le PFPACA et la CASA, et d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant et tout document s'y rapporte. Voilà, comme M. Viano vous l'a très justement indiqué, il s'agit d'un portage pour la commune d'un terrain. La commune peut se trouver devant un foncier très intéressant pour réaliser des établissements, des équipements, des modifications, des réaménagements. C'est le cas de l'impasse du Cabanon, qu'on appelle le projet d'impasse du Cabanon, mais ça ne concerne pas que l'impasse du Cabanon. Il y a les deux vallons. Ça s'élargit de jour en jour, et c'est un projet qui se trouve dans l'opération Cœur de Ville. Donc c'est vrai que c'est une restructuration absolue avec un plan de circulation. Donc c'est quelque chose qui est très long à élaborer, à mettre en place, et le fait que EPF intervienne nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ça a été le cas pour le chemin Lintier, donc bon, évidemment il y a des réticences,
mais on a une forte demande, une forte pression de l'école Pagnol pour réaliser une sécurisation de l'école et de la maternelle. Sauf qu'on ne peut pas sécuriser cette école si on ne maîtrise pas le terrain. Donc on tourne en boucle et il y a une procédure qui dure depuis 10 ans entre le propriétaire et le locataire. Donc c'est très compliqué pour nous et c'est là où on a ce levier qui est majeur, EPF. Donc on se tourne vers EPF qui va lancer une procédure de manière à pouvoir travailler intelligemment, et c'est déjà fait avec EPF puisqu'on on pose nos volontés, nos critères, c'est-à-dire sécuriser l'école, faire une aire de retournement avec le bus, sécuriser les piétons, sécuriser les parents, sécuriser les enfants. Et une fois que tout ça est fait, EPF impose à l'investisseur de faire ce que nous avons demandé. Inversement, si on laisse intervenir des investisseurs privés, le privé n'a pas l'obligation, absolument pas, de réaliser les aménagements tels que nous le souhaitons, et surtout M. Molesti pour la sécurité routière, il nous en parle tous les jours. Voilà, on ne peut pas imposer. On peut imposer une demande, mais si l'investisseur privé ne veut pas le faire, ben, il ne le fait pas. Avec EPF, c'est beaucoup plus simple. EPF impose ses critères. Voilà. Donc on a vu, enfin, surtout Mme Sakelli a beaucoup travaillé avec les écoles concernées, surtout Pagnol, parce qu'il n'y a pas que Pagnol, et de manière à imposer un centre de la circulation, une obligation de sécurisation de l'école, et l'investisseur viendra ou ne viendra pas. Il trouve que ce n'est pas rentable pour sa réalisation, il ne vient pas. Il vient, il adopte, c'est une obligation, c'est non négociable. Voilà. C'est l'intérêt de BF aujourd'hui. Je rajouterai que cette opération va nous permettre aussi de supprimer quelques logements insalubres. Oui, alors. Pas l'oublier. Et je vous la fais courte, mais plus qu'insalubre. Voilà. Merci. Donc, d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 18, convention entre la commune de Valoris et le syndicat Univalor pour le fonctionnement du site de compostage de proximité pour les biodéchets, site de compostage public Jobert. Madame Fiche. La commune de Valoris-Golfe-Jean, dans le cadre d'une démarche développement durable, souhaite développer les sites de compostage de proximité afin de réduire la production de biodéchets dans la ville ainsi qu'au sein des établissements scolaires. Actuellement, il existe 4 sites. Un site de compostage à l'école primaire Langevin, celui-ci fonctionne en partenariat avec des animateurs de la cantine et notre prestataire de la restauration scolaire. Il a un but éducatif pour les enfants de l'école. Un site de compostage à l'école maternelle Langevin. Un site de compostage au CCAS. Un site de compostage public au parking Jobert qui fonctionne déjà très bien depuis le mois de février 2017 et qui est notamment utilisé par les habitants du centre de Valoris. C'est pour ce site qu'il convient de renouveler la convention de fonctionnement avec Univalon. La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement du site de compostage de proximité pour la valorisation des déchets des ménages et plus spécifiquement des biodéchets, déchets de cuisine, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties dans la mise en œuvre d'une politique de valorisation de ces déchets. Plusieurs interlocuteurs sont impliqués dans ce projet, les agents du service cadre de vie, les agents du centre technique municipal et les agents Univalon. Chacun a un rôle à jouer permettant d'assurer le fonctionnement optimal du projet. Ils assisteront le maître composteur d'Univalon dans les tâches mensuelles d'entretien du compost. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de cette convention, d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le syndicat Univalon selon projet annexé, de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites aux budgets communaux correspondants. Question. Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention concernant la sensibilisation et l'éducation à la protection de l'environnement des enfants scolarisés dans les écoles de Valoris-Golfe-Jean et de l'ensemble des habitants de la commune, année scolaire 2019-2020. Madame Fiche. Alors il s'agit donc d'une convention tripartite entre la commune, Suez et Méditerranée 2000, qui
est signée donc pour un an, alors qu'avant elle était signée pour 4 ans. Et elle est donc Méditerranée 2000 assure des programmes multithématiques riches d'interventions et de sorties sur le terrain. Il sera dédié à 30 classes de la commune, 10 établissements scolaires et concernera environ 600 jeunes. Les missions confiées à l'association Méditerranée 2000 sont les suivantes: animation de programmes pédagogiques, notamment centrés sur la protection de la Méditerranée avec CLATS, inscrite les ambassadeurs du littoral, un module les petits jardiniers, un module la forêt Madi, un module abeilles et biodiversité. Le soutien à l'organisation de la journée de l'environnement, donc, qui est organisée tous les ans. La réalisation de journées infomères, qui se donc sur les plages de golf, genre aussi bien sur les plages du Midi que sur les plages du Soleil. 5 journées donc, ont été prévues pour la saison estivale 2020 sur les plages du Soleil et du Midi, et la prise en charge de ces dépenses relatives au fonctionnement de l'association dans le cadre de la mise en place d'actions de sensibilisation et de pédagogie sur la protection et le respect de l'eau et de l'environnement sera ventilée de la matière suivante sous condition de la demande de subvention soit accordée. Commune de Valoris, 13 000 euros sous forme d'une subvention de fonctionnement. Suez Environnement France, 13 000 euros. Méditerranée 2000, 2 400 euros. Subvention du conseil régional PACA, de l'agence de l'eau, RMC et autofinancement. L'association aura la charge de régler toutes les dépenses et débours indispensables pour le lancement et pour mener à bonne fin le programme d'action concerné. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de cette convention tripartite, d'autoriser Madame le maire à signer cette convention tripartite avec Suez Environnement France et Méditerranée 2000, de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal correspondant. Des questions? Alors on peut se louer de ce partenariat de la commune avec Méditerranée 2000. Comme vous l'avez vu, depuis 2015, on travaille avec eux. Là, on renouvelle avec un nouveau programme, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'interventions dans les écoles et beaucoup de résultats. Les enfants sont très sensibles. Et chaque fois qu'il y a des concours, on est tout à fait étonnés de la pertinence des enfants face aux problématiques de l'environnement. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention avec le département des Alpes-Maritimes, entretien du parking de covoiturage provisoire au giratoire Massier. Donc, comme vous le savez, nous avons la chance d'avoir 2 parkings au giratoire Massier, à ma demande, pour 2 covoiturages. Donc, covoiturage, ça veut dire que les gens se regroupent dans une voiture pour aller sur leur lieu de travail, ce qui est quand même qualifiant, me semble-t-il, aujourd'hui. Par rapport à une politique de transport qui pose problème, on l'a bien vu. Donc l'avenir évidemment va vers la multiplication et l'extension de ces parkings, dans la mesure où, en ce qui me concerne, nous avons élaboré un projet avec le président Jean Leonetti de la CASA pour un bus propre, le bus tram qui passe d'Antibes à Sophia Antipolis, pourra venir jusqu'à ce giratoire et capter toutes les personnes qui travaillent à Sophia Antipolis. J'ai travaillé donc avec les cadres qui habitent dans ce quartier et ils sont très réceptifs à cette proposition, dans la mesure où effectivement ils ont quelques problèmes avec leur voiture pour passer sur Saint-Bernard, étant tout à côté de Sophia Antipolis. Ils mettent des heures pour arriver sur leur lieu de travail. Donc on va aussi avoir un parking supplémentaire au pont de l'Aube. Ça nous fera 3 parkings qui sont très utiles puisqu'ils sont aujourd'hui pleins, même si le pont de l'Aube ne fonctionne pas encore en parking, il est déjà occupé. Donc je crois que c'est une demande express des habitants et surtout des actifs. On a beaucoup, beaucoup d'actifs qui sont sur ces parkings. Vous avez pu le remarquer, ce giratoire Massier est tout à fait particulier. Certains me disent qu'il est mal construit. Il n'est pas mal construit, il est avec un revêtement perméable. C'est volontaire, c'est de manière à ne pas stocker. Comme vous savez que nous sommes sur des zones en aval très inondables, le département, en partenariat avec la commune, mais c'est le département qui réalise, a souhaité donc un revêtement perméable. Voilà.
vous le savez, je suis au département, donc c'est un tout petit peu plus facile pour obtenir ce genre d'aménagement qui se multiplie sur le département, puisque c'est la volonté du département de protéger à la fois les communes, d'aller dans le sens des risques, de la protection des risques d'inondation, et d'arriver à trouver des solutions, ce qui est là aussi, c'est un peu comme la publicité, très compliqué, parce que tout le monde parle des transports, etc., et tout le monde, en gros, prend sa voiture. Les mêmes qui manifestent, qui signent les pétitions, etc., on les retrouve seuls dans une voiture. Voilà. Donc c'est la grosse difficulté, la grosse question d'avenir, parce qu'il y a une forte pollution aujourd'hui, il y a un encombrement chez nous, sur Saint-Bernard, avec le rond-point du Leclerc qui est absolument invraisemblable. Nous avons beaucoup de demandes de transport en commun, sauf que nous n'avons pas sur notre territoire la possibilité de permettre aux transports en commun, donc les bus, de passer sur des voies dédiées. Nos artères sont trop étroites, Saint-Bernard ne peut pas s'élargir. On n'a même pas aujourd'hui trouvé la solution pour faire une piste cyclable, c'est vous dire comme nous sommes contraints. Donc le bus tram ne pourra pas passer par le Saint-Bernard. Donc l'idée, c'est de lui faire faire le tour par les eucalyptus, et tous les cadres que j'ai rencontrés m'ont dit que dans tous les cas de figure, ils mettraient moins de temps qu'aujourd'hui avec leur voiture. Voilà. Donc je crois que c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Et bien évidemment, nous allons accentuer et augmenter ce type de parking. Ce sont des expérimentations, on n'avait pas fini que déjà le parking était plein. Les deux sont pleins en permanence. Voilà. Donc on va multiplier les initiatives dans ce sens, de manière à servir ces demandes. En ce qui concerne donc cette convention, elle vous demande tout simplement d'approuver les termes de la convention d'entretien du parking de covoiturage giratoire massé entre le département des Alpes-Maritimes et la commune annexée à la présente délibération. Donc je ne doute pas une seconde que vous ayez lu cette convention et m'autoriser à signer cette convention et tous les documents utiles à ce fonctionnement entre les deux parties. Voilà. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Convention avec la ville d'Antibes. Pardon ? Oui ? Laquelle ? Deux contre. Point, donc délit 21, convention avec la ville d'Antibes, prêt à usage du terrain, cadastré AR 195, 6 avenue de la Liberté, à Valoris-Beaufeugeon, dit terrain Saint-Christophe. Alors ce terrain Saint-Christophe, il s'est avéré quand nous sommes arrivés aux affaires qu'on ne pouvait rien en faire. Il avait été acheté très très cher et il était classé en zone rouge haute et absolument impraticable. Donc nous avons souhaité faire des stationnements. Malheureusement, les stationnements sont assimilés à des constructions, donc interdiction de faire des stationnements. En gros, on ne pouvait rien faire. C'est une zone très inondable, puisque lors des événements d'octobre 2015, on a identifié jusqu'à 1 mètre d'eau. Impossibilité d'aménager ni en terrain de jeu, ni pour ne pas mettre les enfants ou les adultes en risque d'avoir des problèmes. On ne pouvait rien en faire. La ville d'Antibes a décidé de réaménager tout son girardoire face à Explora. Et il nous a demandé la possibilité, évidemment en partenariat avec les équipes, évidemment, vous n'imaginez pas que ça se fasse autrement. Et on a décidé de faire quelque chose de qualifiant à la fois pour la ville d'Antibes et pour la ville de Valoris, et de pouvoir fournir ce terrain qui sert de zone tampon, de perméable, et il va être complanté de 15 arbres. Donc ça sera un aspect et un poumon vert qui va véritablement faire un ensemble avec le jardin qui se trouve tout à fait à côté mitoyen sur la ville d'Antibes. Ça nous a paru qualifiant pour la ville de Valoris et intéressant dans la mesure où il y a une végétalisation sympathique. Voilà. Donc ça fait un ensemble. Là, nous sommes dans une unité puisqu'on travaille constamment les uns avec les autres. Et nous nous sommes vus il y a 2 jours avec Jean-Léonitier, avec ses services et nos services.
et tout le monde a trouvé ce projet tout à fait intéressant. Donc c'est pour ça que nous avons accepté ce réaménagement de sortie et d'entrée de ville, qualifiant pour les deux parties, puisque effectivement, même pour Antibes, c'est un peu une verrue, hein, ce terrain Saint-Christophe est terrible. Voilà, pour tout le monde d'ailleurs, même pour les riverains qui le trouvent absolument pas qualifiant. Voilà. Alors pour ceux qui auraient peur qu'on mette des voitures dessus, les services qui ont travaillé ensemble ont trouvé qu'il était intéressant de le faire vallonner. Donc il va être vallonné de manière à ce que les voitures ne puissent pas se garer. Dans la mesure où il y aura une quinzaine d'arbres, je ne pense pas que les voitures puissent s'y garer. Par contre, ça fera un lieu visuellement très intéressant et une plus-value pour ce quartier. Voilà. Oui ? Je voudrais apporter quelques précisions. Ce terrain, quand il a été acheté il y a quelques années en arrière, n'était pas du tout classé en zone rouge. Aujourd'hui, la moitié du terrain est classée zone rouge. Je pense qu'avec le nouveau PPRI du mois de décembre qui sortira en début d'année, il sera totalement classé zone rouge. Là, je vous l'accorde volontiers. Mais une question, qui va prendre en charge les travaux d'aménagement de ce terrain? Qui va prendre en charge ensuite l'entretien du terrain? Tout ça, j'aimerais bien savoir. Et qu'est-ce que... là-bas, c'est un quartier, vous l'avez souligné, où les inondations sont fréquentes. Il y a un passage qui est très... Il n'y a pas de trottoir pour traverser l'autre côté, d'un côté à l'autre de ce jardin. Qu'allez-vous faire? C'est pour ça que votre délibération est très imprécise et on se pose des questions. J'aurais cru penser à un moment donné qu'il y aurait une étude hydraulique pour savoir ce qu'il fallait faire avec ce vallon de Madet, s'il fallait l'agrandir, enfin, ou je ne sais quoi. Là, actuellement, il n'y a pas de passage. Qu'allez-vous faire? Vous allez faire une passerelle ou vous allez couvrir un peu plus loin le vallon de Madet pour que les deux jardins se... On va dire qu'il y a une espèce de communication entre les deux jardins. Voilà, tout ça, on s'interroge grandement. Et puis, une chose très importante, n'oubliez pas que c'est une ex-station service, que le terrain est peut-être pollué. Alors ça, à faire très attention. Alors, je pense que vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé lors de votre mandat. Le terrain a été dépollué. Voilà. Donc nous, effectivement, le premier critère en ce qui concerne Antibes, c'est de savoir l'état de ce terrain. Il a été dépollué. Donc ce que nous avons à notre charge, c'est l'enlèvement du panneau, l'enlèvement de la dalle, il y a une dalle béton, et la rénovation de tout le système électrique qui est complètement déficient. Tout le reste est à la charge de la ville, dans la mesure d'Antibes, dans la mesure où Antibes considère qu'on leur cède, sans le céder, bien évidemment, on ne le vend pas, puisque c'est un... Donc ils en prennent également l'entretien. Oui, tout à fait. D'accord. Bien sûr. La réalisation et l'entretien... Une unité avec leur jardin. La passerelle, à ce jour, ça ne nous concerne pas, mais quand même, j'ai quand même demandé... La passerelle, c'est également Antibes qui l'a proposé. Non, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Ah, il n'y a rien. Non. Donc là, vous n'avez pas de trottoir, donc on va se retrouver toujours sans trottoir. Si, il va y avoir un passage qui sera un trottoir. Et comment vous allez... Enfin, mais ce n'est pas moi, monsieur... Oui, mais c'est pour ça, madame... Voilà. Le projet qui a été... Madame Saluki, on ne peut pas être d'accord avec vous, parce que là, il n'y a pas de passage de trottoir actuellement, il n'y a aucun passage de ce côté-là. Mais vous pensez... Si vous faites une réalisation sur les deux jardins, pourquoi pas? Mais à minima, il faut faire une passerelle, il faut faire quelque chose. Non, je pensais que le vallon... Je peux terminer, si vous voulez. Je pensais que le vallon du Madet serait couvert sur quelques mètres de plus pour pouvoir faire une continuité sur entre les deux terrains. Or... Non seulement ce ballon du Madet ne sera pas couvert, en plus de tout, vous me dites qu'il n'y aura pas de passerelle. Alors, il n'y aura toujours pas de trottoir, si je comprends bien. Alors, monsieur Chalvin, je vous renvoie au PPRI qui a été largement expliqué. Tout aménagement autour, sur et dans les vallons sont interdits, par la DTTM, interdits. Alors, donc, la route passe dessus, alors... Côté vallon, c'est l'affaire d'Antibes. À ce jour... Effectivement, j'en avais entendu parler d'une passerelle. Aujourd'hui, on m'a dit, compte tenu des nouvelles prescriptions du PPRI qui touchent la totalité du département, c'est pas spécifique à Valoris et c'est pas spécifique à Antibes non plus, c'est une loi qui s'applique, interdiction de toucher les ballons d'accord, de quelque manière que ce soit. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est privé, ça ne nous appartient pas. Nous, la seule maîtrise que nous ayons, c'est celle du terrain. Bon, celle du terrain, est-ce qu'il y aura-t-il une passerelle
Toujours pas. Pour passer d'un terrain à l'autre de façon à ce qu'on puisse. Une sorte de trottoir, quand je dis passerelle, une sorte de trottoir qu'il n'y a pas actuellement. Non, on n'a toujours pas de passerelle sur le vallon pour les raisons que je viens de vous dire. Oui, non, mais d'accord. On n'approche pas un vallon aujourd'hui. On ne l'aménage pas à plusieurs mètres, on ne le touche pas. Je vous invite à regarder ce qui se passe à Biote. On n'a plus le droit, au contraire, il faut libérer tous les abords. C'est le cas dans ce cas-là, puisque notre terrain libère complètement. Il n'y a pas de bétonnage, il n'y a pas de voirie, il n'y a rien. Côté voirie départementale, il y aura un cheminement sécurisé sur la départementale, sur la liberté. Sur, oui, voilà. Mais si, écoutez, je vous invite à voir Monsieur Jacques Omarosa, qui techniquement va vous expliquer comment ça se fait. Si les deux services ont validé le projet, c'est bien que c'est faisable. S'ils sont quand même ingénieurs, accessoirement, je vous le dis. Mais je sais que vous avez des compétences supérieures. Cependant, je vous informe une nouvelle fois que si ce projet a été validé, c'est que techniquement, ça sécurise. Sachant que, attention, ce terrain n'est pas un jardin public. Attention. Non, jamais dit, je ne vous ai jamais dit ça non plus. Non, parce que vous me dites comment on passe de l'un à l'autre. Non, mais je vous explique, c'est le trottoir, le bord de la route qui n'a pas de trottoir. Eh bien, justement, il va y en avoir un, c'est ce que je vous dis. C'est un passage vallon, oui. À hauteur du vallon, donc il n'y aura pas de trottoir mais nouveau. Mais monsieur Chalvin, vous êtes en bordure des deux terrains, vous avez une voirie qui s'appelle la départementale. D'accord. Voilà. Merci. Donc, sur la départementale, on joint le morceau manquant, c'est-à-dire entre Antibes et Valoris, où là, Golfe Juan, où là, il y a du trottoir, on fait un cheminement sécurisé pour les piétons. Alors, effectivement, ils ne vont pas passer au milieu d'un terrain sur l'autre, à cause du vallon. D'accord. Dans la mesure où ils ne peuvent pas faire d'aménagement sur le vallon, ils sont bloqués parce que le vallon suit une partie de notre terrain. L'autre partie, c'est la départementale. Donc, on est à angle droit. Et si le vallon ne peut pas être aménagé, fatalement, on invite les gens à faire le tour, sachant que ce n'est pas un jardin public. C'est un aménagement paysager qui sert de tampon et de perméabilisation des terrains. Ce quartier est rouge cramoisi. C'est un des quartiers les plus inondables que nous ayons. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, mais je pensais qu'il y aurait eu un aménagement pour le trottoir pour pouvoir traverser ce vallon. Voilà, je me suis trompé. Merci de votre réponse. Merci. Voilà. Moi, je voulais juste savoir la durée du prêt. Parce que ça fait combien de temps ? 20 ans. D'autres questions ? Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je peux parler ? Oui, oui, oui. Oui. Je ne comprends pas ce qui s'est fait à l'ouest de la départementale ex-RN7 et côté est, puisqu'on a bien couvert un vallon, on était dans une zone rouge. Depuis 1993, une partie de Golfe-Juan est en zone rouge. Ma propriété à 70-80%, on l'a mis depuis 1993 en zone rouge. Je ne peux plus rien faire. Au nord-est de ma propriété, on a couvert le vallon, qui s'appelle le vallon de la mer, et pour faire la déviation de la 7. Alors, ce qu'on fait d'un côté, on ne peut pas le faire de l'autre. Il y a quelque chose qui est complètement aberrant. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Sur la... Non, ça n'a rien à voir. Là, on a un vallon à ciel ouvert. Voilà. Là, on a sur la départementale, on a des bassins de rétention énormes. On a un usage énorme de partout. Voilà. C'est pas du tout les mêmes travaux, les mêmes ouvrages. C'est deux choses. D'un côté, on est sur un aménagement d'un jardin, voilà,
où on essaye de faire quelque chose pour l'intérêt des deux communes, hein, parce que c'est visuel quand même. Hein. C'est vrai que nous, on présente l'aspect d'une verrue. Ce terrain, on est obligé de le clôturer, on est obligé de le désherber, on est obligé de l'entretenir, on est obligé d'envoyer de la police régulièrement parce qu'on nous découpe les grillages, on nous met des camions, etc. Donc nous, on n'a pas de solution. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Donc régulièrement, on envoie la police, on envoie les services qui changent les grillages, c'est non-stop. Voilà, pour un terrain qui a été payé très très cher et qui sert à rien. Voilà. D'un seul coup, on nous propose un aménagement, hein, oui, parce que c'est ça, un aménagement global qui serait intéressant visuellement au niveau de la végétalisation, au niveau des risques d'inondation, de manière à pouvoir rendre ce quartier beaucoup plus sympathique. Voilà, tous les riverains se plaignent. Hein, voilà. Donc, on nous propose de mettre des arbres, de sécuriser en vallonnant, ce qui est très intelligent pour empêcher les voitures, et aussi de nous faire un sentier, un passage piéton sécurisé par la départementale. Ça veut dire que les gens qui veulent marcher de ce côté-là peuvent tout à fait se promener, cheminer, rejoindre Golfe Juan à pied, continuer leur chemin jusqu'aux plages. Il ne vous aura pas échappé qu'en face, il y a quand même une rue qui va directement sur les plages. Donc nous, c'est notre intérêt, comme c'est l'intérêt d'Antibes de garder ce terrain comme une zone, pas de bassin, mais naturelle d'absorption des eaux d'inondation. Je vous assure, il faut y aller, hein, quand il pleut très très fort, vous verrez ce qui s'y passe, c'est absolument ahurissant. Et en plus, Antibes, de son côté, fait des travaux, effectivement, limitant l'insécurité routière, limitant l'insécurité des piétons, et aménageant aussi son rond-point, qui, rond-point, est quand même notre entrée de ville, accessoirement. Et il n'y avait que ce morceau-là qui bloquait. Donc on a trouvé avec Jean Lénité cette solution très intelligente de pouvoir végétaliser, de répondre à une nécessité en qualifiant et en requalifiant ce quartier qui n'est vraiment pas très très joli. Voilà, mais ça a été long parce que tous les services ont tout essayé. Antibes aussi considérait comme nous qu'on avait besoin de stationnement à cet endroit-là. Il y a un parking qui est plein non-stop pour le parc Explora, mais pas que, pour nos riverains qui habitent les lotissements là et qui vont à la plage régulièrement. Donc on avait l'idée vraiment de stationnement. On a tout essayé, on a même demandé des dérogations. Le terrain déjà à l'époque, avant notre PPRI, était déjà inondable et en zone rouge. Donc on n'a pas pu faire autrement que de lâcher l'affaire en se disant qu'on va le laisser en prairie, on va le sécuriser, mais on n'arrive pas à le sécuriser. Voilà. Alors régulièrement, on est appelé, il y a tout le monde qui va là-bas, qui découpe, qui ouvre, qui rentre. Il y a quand même des secteurs électriques très dangereux, puisqu'on a un panneau publicitaire, alors là, qui est vraiment une nuisance visuelle extrême, qu'on va démonter. On est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin de panneaux publicitaires à cet endroit-là. Et ça va être un endroit tout à fait sympathique, qui est pour grosse partie à d'autres gens. Voilà. Donc, on n'y a pas vu matière à s'inquiéter. Voilà. Je voulais seulement rajouter le parking du pont de l'Aube. Oui. Il était bien, on l'a bien mis en zone rouge. Là, il va être déclassé parce que les voilà. Études hydrauliques et donnent. Avant de le combler, le parking, puisqu'il y avait un vallon aussi à ce moment-là, le vallon, il a bien été bouché sur ce parking. Oui, mais c'était une autre époque, monsieur. Ah. C'est une autre époque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le BPRI corrige les erreurs d'avant et corrige les erreurs dans tous les sens, positives et négatives. Là, les études hydrauliques montrent que ce parking n'est pas inondable. Et il a toujours été un peu oublié et toujours utilisé, hein, il faut le dire tout à fait simplement. Donc je crois que les procédures sont lancées, etc. C'est toujours très très long. Et on va faire un revêtement de la même manière. Aujourd'hui, on fait des revêtements de parking qui ne paraissent pas tout à fait esthétiques, ça je le conçois, on a l'impression que ce n'est pas fini. Cependant, c'est des terrains perméables. Voilà, c'est un revêtement perméable. Et c'est vraiment une plus-value pour nous, parce que vous savez ce qui arrive à Golfe-Juan quand il pleut. Hein, toute l'eau arrive là. Voilà. Donc ça fait aussi zone tampon où l'eau peut s'infiltrer sans difficulté et peut-être pas arriver d'une
de manière furieuse sur la départementale. Voilà. Voilà. Donc, qui s'abstient, qui s'abstient, qui est contre ? Abstient, contre ? Abstient, contre ? Monsieur Châtenay. Et Madame Ricard, alors, convention, délibération numéro 22, je laisse la parole à Madame Sakelli, parce qu'il y a une grosse copie qu'on vient de voir. Oui, bonjour. Il y a une copie, il ne s'agit pas du relais assistant maternel dans l'intitulé de cette délibération, mais de l'EHIE, établissement d'accueil de jeunes enfants, que vous l'aurez, ça se dit dans le corps du texte, hein, c'est vraiment une erreur de copie. Par la circulaire du 5 juin 2019, la Caisse nationale des allocations familiales a informé les gestionnaires d'établissements d'accueil des jeunes enfants, EHIE, de l'évolution du barème national des participations familiales. Ce barème sert à définir le montant horaire qui sera à la charge des familles concernant l'accueil de leurs enfants dans un EHIE municipal. Ce barème n'ayant pas évolué depuis sa mise en place en 1983, la Commission d'action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a décidé de le modifier, considérant que le niveau de service des EHIE s'est nettement amélioré. Le nouveau barème est le suivant. Alors vous l'avez, c'est un taux de participation familiale par heure facturé en accueil collectif et micro-crèche pour les nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019. Je voudrais souligner que le tarif le plus bas s'élève à 0,27 euros de l'heure. Le tarif le plus important est plafonné à 4 euros de l'heure et cela comprend le repas, le goûter et les couches. Alors, nouveau tarif devait démarrer le 1er septembre 2019 et Madame le maire a obtenu un délai supplémentaire pour l'application de ce barème. Les familles seront impactées au 1er novembre 2019. L'évolution du barème induit une actualisation du chapitre du règlement 7, du chapitre 7 du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants, signé par la convention départementale, la CAF et Madame le maire le 20 juin 2018. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'accepter le nouveau barème de participation des familles tel que visé ci-dessus, de modifier le règlement de fonctionnement des EHIE en remplaçant le taux d'effort dans le chapitre 7 par le tableau ci-dessus communiqué dans la circulaire, d'autoriser Madame le maire à signer tout document utile pour l'application de la présente. Une question ? Donc, je voulais féliciter le service, tous les agents qui travaillent vraiment bien, parce que là, la commission a rendu un rapport extrêmement positif, donc c'est très satisfaisant. Et notre devoir, c'est effectivement d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. C'est le cas pour la commune, pour notre commune, et j'en suis très satisfaite. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Invitation dans le cadre des 20 ans du jumelage avec la commune allemande de Lunenberg. Donc là, c'est une invitation, comme vous savez, cette année, c'est les 20 ans du jumelage avec la ville allemande de Lunenberg. Donc la ville de Lunenberg nous a reçus en mai. Nous étions une délégation de 100 personnes, d'une manière spectaculaire. Hein. Je crois que Madame Sakelli, qui était là aussi, a trouvé cet accueil formidable. Nos liens d'amitié ne font que se renforcer. Ils sont présents sur la commune pour certains depuis une semaine. Ça se passe magnifiquement bien. Il y a des échanges très importants, à la fois culturels, à la fois sportifs. Les sportifs de Lindenberg viennent régulièrement en septembre sur la commune s'entraîner, travailler avec les gymnastes de notre commune. Donc les choses se passent très bien. Dernièrement, une grosse participation des deux fanfares, à la fois celle de Lindenberg et de la Lyre d'Argile, à ce jumelage que nous saluons, de toutes les associations. Alors, non seulement l'association des amis de Lindenberg, mais le comité de la Saint-Sauveur, la Lyre d'Argile, j'en oublie, voilà, il y a beaucoup d'associations qui sont rentrées dans ce jumelage
et les, la Saint-Sauveur. Les échanges sont, sont très importants chaque année. Chaque année, nous les visitons, ils nous visitent. Cette année, c'est exceptionnel puisqu'ils sont venus, donc je le répète, avec une délégation de 100 personnes. Le maire de Lindenberg est présent sur la commune depuis une semaine avec sa famille, avec ses amis. Les habitants de Lindenberg viennent très régulièrement sur notre commune. Ils ont vraiment un attachement affectif à notre commune, comme nous, nous en avons une aussi, un aussi avec Lindenberg. Pour vous situer, Lindenberg est une ville de moyenne montagne qui se trouve en Bavière. Et les échanges sont vraiment de très, très, très haute qualité. Voilà, je tenais à le soutenir. Nous avons 3 jours de festivités organisées par les associations. Et effectivement, la ville apporte quand même sa participation, c'est quand même le moins, puisque c'est un échange entre communes et un jumelage de communes. Et nous avons donc pris en charge une partie donc, de cet hébergement des personnes venues de cette délégation de 100, les associations prennent en charge aussi une partie. Et nous avons décidé, donc, dans le cadre de l'invitation du 3 au 6 octobre 2019, pour les 20 ans de juin, un montant maximum de 4 800 €. Voilà. Donc, on se devait de le faire, parce que les associations font énormément. Ils ont organisé des fêtes quasiment tous les soirs. Et c'est vrai que c'est une belle fête d'un jumelage, d'un partenariat d'amitié. Là, je veux vraiment parler d'amitié, d'association, parce qu'il y a de l'autre côté les associations, des gymnases, des musiciens, d'un peu tout, des amis de Valoris. Une grosse association des amis de Valoris se trouve à Lindenberg. Donc c'est effectivement très sympathique. Et ça concourt, hein, nous sommes très en phase avec le maire de Lindenberg, à la paix entre les peuples. Nous avons exactement les mêmes valeurs, les mêmes traditions. Malgré la langue, nous avons exactement les mêmes traditions. La même histoire, quelque part, parce que c'est une ville de chapeaux qui s'est trouvée en déclin lorsque la mondialisation est arrivée brutalement avec la suppression des quotas. Comme nous, nos céramistes n'avaient plus les quotas. Donc, se trouver confronté à la céramique de Corée, de Thaïlande, de Chine, de la même manière, les chapeaux se sont trouvés confrontés aux chapeaux de Chine, de Corée, de Thaïlande, etc. À partir de ce moment-là, nos deux économies s'en sont trouvées fracassées. Ça, c'est l'origine. Et c'est vrai que chacun a repris vraiment force et vigueur, chacun de son côté. Alors, eux, c'est le chapeau, nous, c'est la céramique. Ils ont la montagne, on a la mer. Et je peux vous dire qu'ils adorent la mer, qu'ils passent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures depuis quelques jours. Voilà, et j'en suis ravie, parce que nous, on aime bien la montagne, donc c'est bien. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir autoriser cette prise en charge et cette dépense qui sera plafonnée à 4 800 €. Voilà. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Musée national de la guerre et la paix, avenant à la convention de gestion avec le ministère de la Culture et la réunion des musées nationaux. Donc là, vous le savez, hein, c'est un renouvellement, c'est une habitude. On a une convention depuis toujours avec la RMN. Elle est renouvelée cette année pour 2 ans, parce que bon, il faut affiner notre partenariat. Ils souhaiteraient y avoir des participations diverses et variées sur les entrées qui sont faites, etc. Donc c'est une négociation par rapport à ce qu'on met à leur disposition et ce qu'ils souhaitent. Donc dans l'attente, on reste 2 ans comme ça dans l'État, renouvelant l'État et on verra. Voilà, merci. Madame Le Maire, en marge du conseil municipal, me permettez-vous de faire une communication pour le Téléthon? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Téléthon est un moment important pour nombre d'associations de la commune et leur engagement le prouve depuis plus des années. Pourtant, c'est une aventure qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Le Téléthon a cette année 32 ans, il a commencé en 1987. À cette occasion et cette année, le Téléthon sera d'envergure sur la commune et nous reproposerons un Téléthon sur Valoris en date du 7 décembre sur la place Cavas et un Téléthon sur Golfe-Juan en association avec les ports Camille et Rayon, le Vieux-Port, les pêcheurs plaisanciers,
la CNR et le club nautique. Donc un télétournant n'a que cette année. Nous avons eu la chance aussi cette année de nous voir offrir 3000 exemplaires sur l'ouest du département de ce magnifique livre d'images sur le Mercantour. C'est un livre qui a une valeur de 45 euros. On nous a donné 3000 exemplaires. Je me suis engagé pour 300 exemplaires sur la commune. Donc le prix de vente de ce magazine, de ce livre, est de 10 euros. Voilà. Un prix très modique, mais en tous les cas, les 10 euros seront reversés entièrement au Téléthon. Voilà la communication que je voulais vous faire en particulier, mais vous dire aussi, je compte sur vous pour parler du Téléthon. La campagne Téléthon a commencé lundi 1er octobre, mardi 1er octobre, avec la signature du contrat que j'ai eu avec la FM. Se terminera mi-février, avec l'autorisation exceptionnelle de la coordination départementale, parce que normalement c'est au 31 janvier, mais sur Valoris Golf Jean, ça se terminera au 15 février. Donc un Téléthon important, je vous demande d'en parler à tout le monde, et en tout cas faire publicité pour ce livre. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le Téléthon. Merci. Juste une question, j'aimerais que vous donniez le chiffre que vous nous avez donné concernant la générosité des Valoriens, parce que c'était assez spectaculaire. Pour être cité, ça montre l'engagement des Valoriens oui. Dans cette manifestation. Alors, il faut savoir que le Téléthon, il y a deux parties sur le Téléthon. Il y a ce qu'on a la force T, c'est la force terrain. Ce sont les animations qui ont été vécues sur la commune. Et l'argent qui a été récolté avec la force T, c'est-à-dire sur le terrain, cette année, c'était 14 700 euros. Ça, on est sur l'effort direct de toutes les associations. Au-delà de ça, il y a le 36-37, il y a les dons qui sont parfois aussi issus, parce qu'on a bien parlé du Téléthon sur la commune, et cette année, le montant des dons qui a été sur la commune était de 34 500 euros, ce qui est assez remarquable pour une ville comme Valoris Golf Jean, avec un Téléthon qui a repris, qui avait eu 2 ans de trou et qui a repris il y a 3 ans. Voilà, c'est un chiffre qui est important. Bonne fin de journée.